Cacou cacou Don't try mind Suppose there are times when you're feeling undefined fine Suppose there are days when your colors touch the ground That's when you call me and know just what to say We go out and on the night, we jump and touch the light We dance and we don't sleep until we die We don't have to worry we can up on this earth can dance and dance and run and run. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes chaud? Leclerc. Here's le clair. J'adore, j'adore, j'adore ce mime. Euh, ah oui, on te voit derrière, du coup, ce que j'étais en train de me dire. Est-ce que vous allez bien? On t'entend, Nicky. Oui, oui, on t'entend très bien. Mais moi, je n'osais pas me démute parce que je me disais sinon on va me voir en... Yes. Comment Incroyable. ça va, Baba Dyson Merci encore, Baba Dyson, pour ces magnifiques matchs. Cacou, coucou On y tient ja, On y tient ja. Oui, on va bien, Yaz, elle est mignonne. Coucou, j'aime les cookies Comment ça va Coucou Yaz, yes, comprend rien hein, de ce qui se passe. Coucou comment ça Camille. va, j'aime les cookies Comment ça va, Camille Comment ça va, Baba Dyson Comment ça va, Écoute-moi bien, Yaz, de merde. merde Moi, je t'ai on t'entend, Jesus, c'est toi qui manges. Elle est si mignonne. Si mignonne. cette tête de biatch Let's go. Est-ce que vous allez bien le chat Nous, ça va super. Je suis désolée, on regarde beaucoup en l'air parce que comme d'hab, il y a la télé. Du coup, avec notre retour, et on adore se mater. Non, mais c'est difficile de pas se regarder. Mais on a le chat ici. On va. Le dernier stream s'y est fait au bout d'un moment. Oui, 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 ça l'a fait. Regardez-moi ces beaux masques que Papa nous a offert Ils sont beaux. Si, ils font très mal au front. Oui, ils font mal au front. Aujourd'hui, ah. c'est le cul, oui. Vous l'avez vu, aujourd'hui, c'est un stream court, mais parce que... Euh... Pourquoi d'ailleurs c'est un stream court Parce, parce qu qu'en fait, oui. Vas-y, bah, parle, excuse-moi. Non, vas-y, vas-y. Euh... Non, mais parce qu'en en fait, qu'est-ce qu'elle dit, Louane Heureusement, je m... suce des chevaux qui sont la tête de cheval qui ne sait jamais bien. D'accord, j'aime les cookies, J'ai pas compris. Je sais pas. Non, safran, j'ai mangé du safran. C'est vrai Ouais. Tu as je mangé du safran, vraiment Comment ça, je sais pas quoi faire alors, ah, il les a brossés exprès. Alors, j'ai passé, de... j'avais ouais, les masques dehors avec une balayette de, balayette de, vous savez les balayettes. Attendez, la musique, putain, excusez-moi. Ça va le faire, j'aime les cookies. T'as qu'à manger un cookie. Oh, pardon. Est-ce que vous entendez un peu la musique lounge de cul ou pas Après ma courte nuit, c'est pas mal un petit stream. Comment ça, ta courte nuit Qu'est-ce que t'as fait, Leclerc T'as vu ta crush Ouais. Non, il est passé à l'anniversaire. Il avait un anniversaire hier. Alors, euh... oui, on disait que le stream était court. Comme oui, excuse-moi, le stream est court comme ma bite pour la simple et bonne raison que j'avais mis déjà 17h au lieu de 16h la semaine dernière parce que euh, on savait que euh, la lecture de livres, on a regardé sur la rediff et tout, euh, les livres de Babor, en fait, surtout les nouveaux tomes, j'ai l'impression qu'ils sont plus courts que le premier tome, non Je ne sais pas du Je sais tout. Tu sais pas trop Et bah du coup, c'est une heure, une heure et demie grand max de lecture grand max mmh, donc du coup c'était un peu un peu couillon je, je peux mettre ça ou pas là oui. pas de musique oui voilà et on va voir Dali et Exactement. en fait donc 17h donc j'ai encore le coussin <laughs> qui me colle au cul c'est une dinguerie ça euh, donc j'avais mis un peu plus tard et ensuite là j'ai raccourci la longueur du stream <laughs> on arrivant. voit le coussin qui est collé à ton cul ça fait trop rire mais <rire> oui mais c'est trop chiant les coussins <laughs> se collent vrai. tout le temps à mon cul et en fait ce soir on va voir Dali au cinéma et donc du coup j'ai préféré mettre 17h-19h comme ça, ça nous laisse deux heures de stream. On a le temps de lire le livre tranquille. Mmh. Et ensuite, si on veut, on fera le programme ensemble. Voilà. Tout à l'heure, les infirmières ont mangé un cheval. Vous me dire, pour dire que je ne mange pas, j'ai une sonde pour me nourrir. OK. Ça ne va absolument ah, oui. pas donner envie de manger. Bon. Bah Baf, ouais. Et bah bon. si euh, tu ne manges pas, effectivement, il n'y a pas le choix. J'ai mes cookies. Et crois-moi, moi, moi, moi je préfère musique, manger que d'avoir une sonde dans le cul. Hein. Parce que c'est dans le cul. Hein. Non. Ah, non. <laughs> c'est une sonde dans le nez. Non, dans l'œil. Dans l'œil. Ouais, dans l'œil. Ils te nourrissent par l'œil, ah en oui. fait. Ils te mettent des doigts dans l'œil. Sachez que là, là, ça, là, ça m'énerve de fou. Je le vois dans, dans mes yeux. C'est du coup, ça passe devant mes yeux. Mais je peux peut-être m'arranger pour te mettre comme ça. Mais de toute façon, et le masque, c'est pareil. Il est... Ouais, ça va. Oui, c'est mieux. Et le masque, il est vachement sur mon nez. Donc je pars la moitié du nez. Et pas grave. Euh... Hein. C'était pour t'aider. Ouais. Et en fait, ça m'énerve. Genre, je vais peut-être pas le garder. Hein. Si, si, tu vas le garder. D'accord. Est-ce que tu peux te décaler un peu parce que t'es vachement... Star. Euh, voilà. Donc, le nouveau tome, c'est le troisième. Il y en a quatre en tout, donc euh, il y aura encore un livre à lire. Oui, il reste euh, un livre. Calmez-vous, en fait, hein, parce que bon, on en on ça toutes les semaine, semaines. Hein. De toute façon, la semaine prochaine, c'est complet. Le planning, là, il y a trop de trucs. Justine a suivi. Elle a vu Agatha Bella retourner à l'école. Parce tout que t'as tout lu, t'as as, as, as regardé la rediff, ça valait le coup de savoir l'histoire. Parce Quand que même. là, euh, attention. Hein, C'était qu'une heure et demie. Ça va, ça a été du coup. Oui, heure, tu regardes au pire en 1,5. Oui, ça le fait. Si en jamais... plus, on lit tellement bien. Non, moi je lis mal. Hein, je suis désolé les gens. Hein, D'ailleurs, euh, d'avant, je vous le dis, je lis très mal. Oui, yeah, yes. Je suis nul en en yaz. pas du tout. Je suis nul en lecture. J'ai toujours été très mauvais en lecture à euh... l'oral. Alors... Non, mais c'est surtout comme quand je lis le chat, tu vois, je confonds beaucoup les mots, je m'achille, c'est trop chiant. Oui. Euh, du coup, euh, trop trop chiant. Lire dans ma tête, ça ah, va à peu près. Le donc. clair et crush sur toi. La musique, c'est bon, mmh, bon, bien bien de la galette. Ils ont dit déjà, je crois. Non. Mais bah, ils ont dit, si, il y a de la musique. Oui, il y en a, mais est-ce que le volume Et est bien Je sais pas. J'adore ton mot, Alita, ça te va trop bien. Merci beaucoup. Pardon. Ah, c'est un script lecture érotique, je trouvais bien. Bon. Ça va pas bah, regarde. Attends, j'ai hâte, de voir. Pardon. Pardon, ça me fait rire. La musique, c'est bien ou pas Trop fort, pas assez fort C'est moins mmh, 20 20 20 bien. Ça, la galette. ça marche, ce truc-là serait fou. Alors, est-ce que tu as, as suivi dit. ce que Camille disait quand il disait, je sais pas quoi faire Non. Il a juste dit à ah bon et non après. Bah, Camille, tu peux. Bah, Camille, tu balances des phrases et après, on ne peut pas te. Non, tu sais pas quoi faire de quoi Chris, Je suis Dimtouf. Ah, Dimtouf est là. Bah, coucou Dimtouf en hein, Lugurk. Euh, donc, euh, je résume vite fait euh, l'épisode d'avant. Euh, en gros, Annabella, c'est une étudiante euh, qui, a, euh, qui, dans le tome 1, euh, travaille au Leclerc. Oui, Et qui est tombe ça. amoureuse du PDG du Leclerc. Euh, oui. Euh, Gontron, je Gontran, c'est ça, ouais, tout à fait. Et euh, mais qui est du coup marié et tout ça, donc c'est un peu compliqué, hein. ils couchent ensemble. Je ne répondrai pas, bien que vous ne me répondez pas sur... pas sur la musique, donc j'attends que vous me répondez sur la musique avant de vous répondre. Euh, on n'entend pas fort à l'étage, c'est parce que je ne parle pas très non, fort. Non, c'est parce que ton micro est pas ah. bien placé, à cause de ton putain de, ce que je te disais, ton putain de vêtements, il va falloir trouver une solution. Mais ouais. je peux pas. Ouais. Mets-le dans mes oreilles. Attends, <laughs> j'ai une idée. Non. Mais quoi non Tu vas le mettre sur mon masque. Mais non Arrête Mais ce de serait de parfait si, Attends, attends, laisse-moi faire, laisse-moi faire. Et de l'autre côté, ça te dirait non. pas Mais je peux pas le mettre, Il faut que tu changes de haut bébé. Mais non, tout le monde aime mon haut. Bah oui mais faut que tu mettes une bandoulière, un truc. Une bandoulière. Bah en gros, je sais pas quoi faire à part vous regarder. Bah ça va Camille. Mais vrai. Camille, branle-toi, ouais. Branle-toi. Euh... euh branle-toi. Euh, ou branle-toi. Un collier. Oui ou un collier, ça va un collier, un truc je sais pas, moi, oui, il a pas de collier. Il dit, dit j'ai pas de collier, moi. C'est vrai qu'elle a pas de collier. Elle est pas très collier, pas très bijou, Lita, quoi. Euh... Et euh... Oui, oui, son micro il tombait de fou et moi, moi, il est bien placé. Il faut qu'Alita mette une, je pense qu'elle mettrait une soutane, ce serait mieux. bon là, voilà. <laughs> ne... cringe un peu de se branler devant le stream. Bah oui, Leclerc, c'est pas comme si vous étiez plusieurs à l'avoir fait, hein. Que Ticho il avait baisé avec la petite plusieurs fois devant mon stream, hein, on le sait. Que euh, l'Ounia, qu'elle a testé son sextoy devant le stream, on le sait. Hein. Yes, t'as le meilleur sien. Eh, elle dort pas là. Hein. Elle dort pas du tout, Yes. Là. Non, en vrai, la musique, pour te répondre, on l'entend fort quand vous parlez et quand vous fermez vos gueules, bah, on augmente le son. Elle augmente le son. Ah oui, c'est vrai que ça fait comme ça. Mais c'est bien ou pas que ça fasse ça Mais non, mais ça, je vais pas pouvoir mettre la Qu'est-ce qu'elle fait, Lita T'es sûr Que oui. Putain, je parle tellement du nez. En fait, je Non, ça c'est non. Ah, tu me fais chier. Avec ton faut un vêtement fermé, faut un truc comme ça. Pour mettre le micro cravate ou alors je le mets sur ton masque. Non. <laughs> mais non, mais mais que des vêtements qui sont des trucs qui font blub, blub, comme ça là. Comment voulez-vous mettre un micro cravate ou alors tu le tiens à la main, tu le tiens comme ça et tu fais ça, comme tous les gens de tournage. Il faudrait que j'achète les accessoires pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, les prendre un micro main, on peut. Il Y a un truc qui se met, des trucs qui font. Je vais prendre un Vas-y, enfant Camille, c'est les enfants. Du coup, ma question, ça prend. Pourquoi l'élastique sous les oreilles Parce que si je le mets au-dessus des oreilles, où voilà est-ce qui se passe Je sais pas si vous vous rendez compte, mais alors moi, je ne vois rien, du tout. Là, j'ai les yeux fermés, quoi, Parce que c'est des masses de merde. Voilà. Donc c'est la seule solution que j'ai trouvée pour pas mourir. Tu critiques. Waouh! Wow. Ouais. <laughs> tu critiques. Mais tu cliques. Faut que je fasse tout. Là? Ah, c'est chiant. Ouais. Bon, Bonjour. attendez, je vais essayer de trouver un truc pour l'état. Parce que moi, je vais trouver un truc. Je t'aurais vraiment dit, allô? Allô? <laughs> oui, mon meme. Parce que moi, je suis un mec qui fait des mèmes, en fait. Okay tu critiques, euh, du coup, euh, les cadeaux de Papa Dyson? Tu y vois rien? Oui, bah, Papa Dyson, ah. il les a pas choisis. Hein. Euh, en plus, oui, c'est Saran qui les a choisis. Yes, est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Le caca Elle ne veut pas vous parler. De elle quoi Elle n'a pas réagi. Qui c'est qui n'a pas réagi Yaz. Yaz yes. yes, elle s'en fout de vous, elle a dit. Elle avait dit dans un communiqué de presse qu'elle s'en foutait de vous. Alita et Safran ils sont trop gros. Qui c'est qui a dit ça Loulou. Ah bah Louniak... que. Bah, safran, c'est forcément Loulou. Ah oui, tu vas me donner ta banane. Je vais donner ma banane, à tous les coups si tu mets ma banane... Mais ma banane Ah mais attends, faut que je la raccourcisse à mort ma banane. J'ai la banane de safran. De sarane. Non c'est trop court. C'est trop grand ah. moi. Là, je suis beaucoup plus grand que toi. Ah oui mon jeu de mots est incroyable. C'est vrai que personne ne l'a jamais fait euh, le euh, j'aime les cookies. La blague des Ivoiriens. Qui c'est qui ivoirien Bah oui, je suis, je suis la seule qui t'appelle Safran patate. Non, c'est pas la seule qui m'appelle Safran bah... Patate. Il y a aussi Robert lui, qui m'appelle ça Yazou, Yazoo, t'es vraiment trop mimes euh, à la télé. À quel moment tu retournes ta tête Comment ça non, Parce que je croyais qu'elle était de mon côté, et non. elle te regarde, toi, en fait. Elle me regarde moi Ah, tu me regardes, Yazoo mmh, 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 Moi aussi, je te t'aime. Donc, maintenant. bon, en attendant euh, qu'on trouve une solution, y a. Donc, je vous disais que du coup, Annabella, c'est une, euh, une, une étudiante qui a travaillé au, au supermarché Leclerc pour euh, gagner euh, un peu de sous et qui tombe amoureux de Gontran. Si je te mets là. Gontran Leclerc, le Leclerc, de PDG. Si je te mets là, on t'entend pas. On m'entend pas. On l'entend assez bien. Vous m'entendez ou pas? Une ficelle. Une ficelle. Mais comment un vous? Une string. Je peux t'appeler Safran aussi. Tu non, tu m'appelles. Toi, euh... tu vois, Couch -couch. Si les cookies. Tu vas m'appeler quoi, Coubé? Non, j'ai pas de collier. Je ne porte pas de collier. Oui, c'est bien. On l'entend? Ok. Ah, J'aurais pas pensé. Bon oui, bah écoute, okay. c'est parfait alors. Ça cache mes ins comme ça. Bah, ouais, ça va. Okay. De quoi ça cache quoi? Mes ins. T'es quoi? <rire> <rire> ok quoi couver <laughs> Est-ce que vous voulez que je vous lise la quatrième de couve Mais attends j'ai pas fini Tu racontes du quoi coup, Bah je, racont, je racontais le tome 1 et Ah là, oui le tome le 1 tome, Donc euh, voilà tome 1 euh, Bon il s'avère qu'ils se battent à la fin contre Carrefour et tout Parce qu'en fait euh, bah, il faut savoir que quand tu travailles dans les supermarchés Et bah tu acquis des... Du, tu acquiers Des tu acquiers, super pouvoirs. Tu acquiers, tu acquiers ouais des super pouvoirs, et euh, en fonction du rayon où tu travailles, donc c'est trop bien. Donc ils se battent contre Carrefour et tout. Ils finissent par tuer euh, un mec euh, qui était amoureux d'Annabella, mais elle ne voulait pas de lui. Euh, finalement, dans le tome 2, du coup, elle s'est. Euh, elle euh, elle a ouvert une ferme, c'est hein. ouais. ce que tu veux dire C'est ça, elle est partie euh, dans la nature élever des lamas unijambistes. Dans le euh, Dans Larzac, exactement. Mais sauf que qu'elle bah, se réveille un matin et tous ces lamas se sont fait massacrer. Et on apprend du coup que c'est euh, le mec qu'elle avait tué dans le tome 1 qui finalement est revenu et qui travaille chez Auchan et qui du coup euh, bah, fait la guerre euh, aux autres supermarchés en, en team Auchan. Ah. Bon, à la fin, il le tue. Vous l'entendez ou pas les loulous C'est bâtard ça, ouais. Parce que le micro il fait ouh, en mesure. Ça cause un gros 1. Ouais. Hein, Elle n'a qu'à pas les serpilières en tant que vêtement Pas enfin, avec une ordure. Non, bah c'était l'autre truc. Ça. Oui, ah oui c'est vrai que ça veut très simple de dire. Il est moins fort que toi. Mais c'est normal, mais lui, il a une grosse voix. Non, non. Mais, mais, non. Si. mais non, mais, mais ça. Ça, pas... ça a toujours été. Mais oui, mais non, mais à la base, les micro-cravates sont pas réglés pareil. Toi, il est juste deux fois plus loin que moi. Donc forcément. Ah, là. T'as pas du tout un collier à du coup un truc comme ça sur lequel on pourrait le mettre. T'as rien du tout. Mais du coup ça va pas marcher. Il sera là, le micro. Ouais, <laughs> c'est marrant. Bah non. On va m'entendre <laughs> dans mes cordes vocales directement. <laughs> Mon coloc qui me dit. J'ai ai dit que tu continues bien. J'ai dit non. Il me répond Pourquoi tu continues alors <laughs> Parce qu'il faut bien manger, Il faut bien manger. Ou oh, Alita crie. Ouais. Mais non, mais Alita si elle crie, elle devient folle. Parce que d'un seul coup, elle se m'a crié des dingueries, genre des mm -hmm. trucs racistes. Donc si c'est sur ton masque, vraiment, ça t'embête C'est trop lourd. Oui, c'est trop lourd. C'est trop chiant. Puis ça n'a aucun sens. C'est comme la meuf qui met sur le bonnet. C'est trop pratique. Ça fait un putain de bonson. Oui, mais. Comment on pourrait faire pour le petit boum un colis BDSM. Mais ça suffit, Leclerc Mais le colis BDSM, c'est trop, alors, bon. alors que sur le masque... Ice cream, so good Ou alors, faut que je... Faut que je vais me changer, c'est bon, j'ai compris. Mais tu vas mettre quoi On me saouler, là. C'est bon. Je, ah, mais je, si je tu quitte mets un, trash. Si tu mets un débardeur en dessous, c'est bon. Je quitte trash. Elle quitte trash. Bon, alors, je vais vous lire la quatrième de couve, si vous voulez. Yes, 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 Annabella retourne à la fac pour suivre des études en gender study. La vie d'étudiante est dure et le manque d'argent pourrait bien lui fermer les portes de l'événement le plus important de l'année. Le grand bal de promo de la fac de genre qui, pour la première fois, est financé par un régissime w o -W. saucisson w Pour pouvoir s'acheter la robe de ses rêves, Annabella n'a pas le choix. Elle doit se lancer sur OnlyFans. Du caca de cheval. C'est toi le caca de cheval. Je vous dirai juste un truc, c'est pour mon amant Steph, mort du Covid long. Alexandra. Il est mort du Covid long. Tentation au supermarché, le grand bal des produits frais. Aventure, érotisme et grande distribution. Trop là, trop hâte. Chypre 1. Premier jour de fac. J'ai hâte que l'Italise parce que moi, j'ai envie de casser mon cul. Quoi C'est bien tu mon masque Qu'est-ce que je peux faire Mais attends, mais comment je fais moi Mais faut que tu l'enlèves. Si tu soulèves <laughs> le fil, si. voilà. Moi j'ai pas le choix, hein. je sais pas comment faire. Hein. Aïe. Allez, vas-y. Ah, ah c'est la pire chose ces masques là. Ah oh là, bah non, 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 non. Ouais. Ça va la meuf qui se prend pour qui là Tu les as brossés. Oh, oui. Et ta grand-mère elle l'a brossé aussi. C'est bon bah, Mets-le toute seule en fait, je sais pas pourquoi je... oui. Il est beau aussi ton haut, Alita. Tout est beau, Chalita. Mais moi, par contre, jamais. T'as vu Personne me dit que j'ai des beaux Moi, je trouve que t'as des beaux pecs. Taureau Oui. Rien dans le retour, tes cheveux. <laughs> tu as sorti ta mèche, on sais pas pourquoi. Je sais pas non plus. Attends, oh, tu veux non, que non. je fasse Oui. Là, t'as un peu de frange devant, c'est joli. <laughs> tu me diras ouais. ce que t'en penses, regarde. On se regarde dans le retour, on est mignon, non? On regarde, c'est bien, non? Un petit style. Donne-moi oui, hein. mon micro. Ah oui, pardon. Ah, on t'entend pas. Et voilà. Là, c'est mieux. T'as des beaux cheveux, on t'a dit. T'as des beaux cheveux, toi, Saran? Euh. Attends, elle m'appelait Saran ou elle m'appelait Kouakou? Mais trop bizarre un peu, la team. Et oui, c'est qui, du coup, Saran? Rien... Je comprends plus. Hop. Alors, c'est parti, mon kiki. Nick. Nick la police. Nick R. Bon. Attends, mais. J'ai lu le quatrième et j'ai lu le première page. Ah bon mais moi j'ai pas entendu. C'était la même chose que dans le 2, mort de Covid long. la même chose que dans non. Le... C'était quoi le premier Il était mort de quoi c'était la même chose, Steph, mort de quoi Bah si. Mais Donc. non, c'est écrit euh, à mes amours euh, machin. Ah oui, à mes, eu, amants. à mes amants. J'en ai eu je sais pas combien de plus depuis. la mmh, merde de la galette. Euh... C'était pour tous les hommes que j'ai aimés. 5 de plus depuis le tome 1. Voilà. Alexandra. Et là du coup avec Steph. une faute d'orthographe en plus. Une okay. raclette vegan au fromage, pas mal. On mange peut-être de la raclette ce soir, on sait pas. Alita m'a dit, tu pourrais pas me faire une raclette, connard J'ai fait non. Ok. Chapitre 1. Oui. Premier jour à la fac. Miam mmh, oh. miam la galette. Et non pas la fiac. Ah, d'accord. Ok, je sais pas ce que c'est la musique, mais bon... Euh... Demande à Justine, elle va connaître. I got a hangover Wouhou Je sais pas comment le faire. I've been drinking too much for sure. Moi je le dis comme ça. Bah, elle va connaître, je suis sûr. La douce mélodie du réveil d'Annabella la tira de son sommeil. Comme à son habitude, elle appuya sur le bouton Snooze pour se prélasser encore quelques minutes dans son lit avant d'affronter sa première journée de cours à l'université. Elle était bien décidée à profiter à fond de ces précieuses minutes de répit. Elle referma les yeux, mit la main dans sa culotte et pensa à un gars qu'elle avait croisé la veille et qui faisait la manche devant le 8 à 8. Avec sa deuxième main, elle s'enfonçait également des doigts dans l'anus pour multiplier les sources de plaisir. Après avoir joui, elle rouvrir les, les yeux. Ah c'est direct du cul quoi. Putain, je suis désolée papa Dyson, mais je peux pas, je peux pas le lire et avoir un masque <laughs> qui tombe sur la sur la gueule. Je le resserre un peu. Pour le mettre. Et là, catastrophe. Une meuf qui se baigne dans la rivière. Elle a des tout petits seins et un énorme boule. Et là, t'as un gamin planqué dans un buisson. Il lui dit, petite miche, gros boule. Petite miche, gros boule. Petite miche, gros boule. La meuf est blasée. Elle part en pleurant. Elle a peur en plus. Sur la route, elle croise le gamin qui lui relance, petite miche, gros boule. Elle lui dit, mais c'est toi. Pourquoi tu fais ça Je suis complexé depuis toujours. C'est pas gentil. Je suis désolé, madame. Je savais pas. Mais si vous voulez, j'ai un remède pour vous. Il lui dit. Elle en croit pas ses oreilles. Sérieux Oui. Vous vous prenez un morceau de PQ et vous. <laughs> vous prenez un morceau de PQ et vous. D'accord. La fin, c'est trop. En plus, on n'a pas la fin. Oui. Pourquoi euh, t'envoies ça, Papa Dyson Je me sens un petit peu visée. Bah, t'as pas du tout des petites miches. Les miches, c'est le cul. Hein. Mais non. Bah, Petite la... miches, gros. Cul. Bah oui, mais c'est bizarrement dit, mais les miches, c'est les fesses bah, en a fait. Pour les, pour les gens où c'est les seins. Ouais, mais non, mais non. non, non, non. Les nichons et les miches, c'est le cul. Hein. Je suis désolée. Euh... Les miches, c'est le cul, c'est le pain. Alors, excusez-moi. Faites un sondage. Faites un sondage. Les miches, pour vous, c'est le cul ou c'est les seins Je ne dirais pas faire de sondage, mon Doudou. Dire dans le cul, comme Leclerc. Oui, dès le matin. Bon. C'était bien son anniversaire, Leclerc, j'espère. Après avoir joui, elle rouvrit les yeux et là, catastrophe. Elle n'avait pas entendu son réveil ressonner. Il était bientôt 8h et elle avait son premier cours à 8h. Oh, oh non On dirait nous ce matin. Mais tu, comment tu veux je le du coup j'ai juste serré de ça. Hein. Bah. Je plus ah bah oui, bon mais. Je peux plus le passer. Oh, une bonne Mais non, de mais laisse tomber. Mais si, pas Il faut, il faut. Mais non. Mais si, bébé. Mais, mais, mais je lis. Mais je j'en fous. Je vais lire, au pire. Mais tu le mets. Mais non, mais. Mais si, bébé, c'est le cadeau de comme ça qu'on fait. C'était décidé. Ah, la suite, c'est le frotter entre tes deux seins et lui dit. Elle lui dit, ça marche vraiment. Bah, regarde ton gros cul. Oh non, mais non, on peut pas faire des blagues comme ça, papa Dyson. <laughs> C'est bien que c'est illégal en Franche-Comté de faire des blagues comme ça. <laughs> Est-ce que quelqu'un sait faire un nœud coulant <laughs> Je parle pas de la chiasse. Mmh. Donne-moi. Vas-y, je vais lui lire. Alors, Annabella se leva en quatrième vitesse. Si elle voulait arriver à temps, il fallait qu'elle renonce à se doucher. Oh non. Elle enfila en vitesse un euh, de la chatte. Pardon. Elle enfila en vitesse un corset noir, une jupe si courte qu'on pouvait presque voir que c'est une ceinture. Je Pourquoi la musique créer. est super forte d'un coup Ok. Euh, et elle sortit de chez elle en courant. Heureusement, elle avait trouvé un petit appartement pas très loin de la fac. Annabella arriva Non, non, mais t'inquiète, euh, Annabella arriva toute transpirante euh, en haut de la cour de l'université. Son cours allait commencer dans moins d'une minute en salle C15. Comme la voiture. Oui. Elle se remit à courir, mais au début du couloir, au détour d'un couloir, On elle percuta. Pardon. Salut Oteya <laughs> non, mais Zalita aussi me coûte toutes les deux secondes, alors qu'elle sait que j'ai du mal à lire et tout. Euh, elle est pas gentille. Euh, elle se remit à courir, mais au détour d'un couloir, elle percuta de plein fouet un autre élève. Tous leurs cahiers tombèrent par terre. Oh non Oh non, non, non Il ne me m'en voulait plus que ça. Je suis en retard à mon premier cours d'études du genre, paniqua-t-il. Moi aussi, répondit Annabella. Il paraît qu'ils nous ont percuté, recruté un nouveau prof extrêmement sévère cette année. C'est leur il contre il il le il clair il 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 ou quoi quand ils eurent fini de ramasser leurs livres, ils repartirent ensemble en direction de la salle C15 et parvinrent à arriver juste à temps. Ils s'assirent à côté d'un amphi plein à craquer. Le cours n'avait pas encore commencé. Le garçon était tout, tout, tout transpirant hum, après une course folle, mais ne manquait pas de charme. Un peu comme Otaïa. En fait, je m'appelle Fabio Salsa. Enchanté, c'est la première année ici. Fabio, Fabio Salsa. Salsa. Mais Fabio, c'était son lama. Il s'appelait Fabio aussi, son Fabio. lama. Ah oui, tu as raison, je crois. Ah, ça ouais. On ne croit pas. En aye aye, aye, aye. Bon, Annabella enchantée également. Moi, j'avais commencé un semestre il y a quelque temps, puis j'avais dû arrêter pour des raisons personnelles. J'ai préféré reprendre le cursus à zéro pour repartir sur des, ba... des basses scènes. Tu as bien fait, je pense. Annabella apprécia cet échange avec Fabio. Il avait l'air très sympa et tout à fait sain. Merci Otaya. Qu'est-ce que tu fais et, et, Il avait l'air tout à fait sain, comme il était. Oui. Merci Otaya pour ton resub Merci beaucoup Merci. Vous 21e mois. Oh, dis donc, tout ça. Comme elle avait eu la bonne idée de se, mas se masturber, hein, c'est écrit, mais je pense que c'est masturbé. Non, je pense que c'est à Alita. OK. Comme elle avait eu la bonne idée de se masturber avant de venir à la fac, ses pensées n'étaient pour une fois pas parasitées par son envie folle de sexe. Pardon, excuse-moi. C'est où Et pourquoi tu as choisi des études en gender study toi Demanda-t-il Ouais, faut -être que je... Tu veux que je fasse les adlibs quand ça me concerne ou pas Les adlibs non. Ça s'appelle pas comme ça Je sais pas. Non, ça c'est dans les raps. Les adlibs. Bah, ça s'appelle comment alors Les. Comment ça s'appelle, Justine Pourquoi Justine <laughs> Parce que Justine elle sait tout. Ah, mais Justine ça, ça s'appelle comment les trucs qui sont, pas des... qui sont des adlibs mais qui disent que non oh, Regarde mon masque. Mais tu fais ça, Red. Voilà. J'en <laughs> Putain. On mais pourquoi, toi tu de... pourquoi moi ça me fait mal et que je le garde bon bah Il a dit si ça nous gêne. Oui mais moi je le respecte. Okay. ok. Eh bien je suis curieuse de nature sur toutes les questions qui touchent au genre et à la sexualité. La porte de l'amphi claqua, tous les élèves se turent instantanément. Une personne très atypique entra dans la salle. Elle avait un corps de femme et une tête plutôt masculine, les cheveux bleus, les sourcils violets, les poils de nez orange. <laughs> <laughs> les poils de Norange, c'est mon truc préféré. Okay. La personne alla s'installer au pupitre et prit la parole. Euh, tu veux la faire ou tu je veux la veux... faire. Vas-y. Elle est où? Sortie de copie double, interro surprise. Tous les élèves se regardèrent interloqués interloqués ah, L'un d'entre eux leva la main et prit la parole. Mais Monsieur, c'est le premier jour. La personne aux cheveux bleus tressaillit. Quel okay, mal m'as-tu appelé? Monsieur. Prends tes affaires. Tu vas chez le proviseur, petit connard. L'élève lèvres... se leva en pleurant et sortit de l'amphi. La personne reprit la parole. Pas de soucis, Justine. Elle ne sais pas comment ça s'appelle. On va appeler ça les adlibs. OK. Les enfants, pourquoi vous avez sorti des copies doubles C'est le premier jour, voyons. On se détend un peu, même si ça me fait plaisir que vous ayez envie de travailler. <laughs> Annabella et Fabio ne savaient pas trop sur quel pied danser. Je me présente. Je suis Amanda Rodriguez. Merci de m'appeler... Ma... <laughs> Moi de moi lui Rodriguez. Ma lui. ce que je dis, ma de moi lui. Dit, de moi lui ah bon J'ai dit ma lui. Ma lui. Bah, pas bah, comme mademoiselle, ma mademois ah lui. Ma de lui Rodriguez. Et elle écrivit son nom au tableau. <rire> <rire> je me considère comme un hélicoptère apache. Je plaisante bien sûr, je suis une faune Ce qui veut dire que j'ai le corps d'une femme, le visage d'un homme et les poils uniquement sur le dos. Je suis évidemment 100% asexuel. Bien. Vous allez prendre un bout de papier, écrire vos, pronoms, vos prénoms, pardon, genre et orientation sexuelle, et le poser devant vous. <laughs> c'est génial. Tout le monde s'exécuta. Annabella écrit Annabella, femme pansexuelle. Elle jeta un œil à la feuille de Fabio. Fabio, homme blanc cis, hétéro. <laughs> Quelle originalité ironisa-t-elle en lui souriant. <laughs> c'est vraiment drôle. Ok. Je n'ai pas choisi. Mais c'est aussi pour ça que je me suis inscrit dans ce cursus. C'est qui ça bah, C'est euh, Fabio. Ah, Fabio. Je n'ai pas choisi. C'est aussi pour ça que je me suis inscrit dans ce cursus pour ouvrir un peu mon horizon. Qui vous a autorisé à le discuter euh, Pardon, mademoiselle lui répondit Annabella dans une volonté d'apaisement. <laughs> Les compteurs de combat ça. Made... <rire> <rire> ça me tue de rien de dire ça. Mademoiselle lui, Rodriguez sorti de derrière Toi, son madé. Made mademoiselle mademoiselle. Mademoiselle, ah, oui. Mademoiselle-Louis, Rodriguez sortit de derrière son pupitre et elle se planter à côté de la rangée d'Annabella. Mademoiselle, ça me fait rire, je suis désolée du coup. Euh, vous croyez tout permis parce que vous avez un corps parfait et que vous portez très bien la logerie fine, Mademoiselle Annabella. Pas du tout, Mademoiselle-Louis Rodriguez, c'est juste que. Oh, redemande un cours, petite traînée, et ton camarade, c'est pareil. Et Fa... ouais. <laughs> Annabella et Fabio commencèrent à reposer. À replier leurs affaires et à partir, mais fut interrompu par Mademoiselle Mad Louis. Allez, excusez-moi de vous déranger, mais je peux savoir où vous partez là tous les deux Nous quittons le cours comme vous nous l'avez demandé, Mademoiselle Louis. Waouh, Mademoiselle Louis Rodriguez. J'ai du mal à le dire, Mademoiselle Louis. Mademoiselle Louis. Ok. Je n'ai jamais demandé ça. Mais si, à l'instant. Je peux savoir pourquoi vous n'êtes pas encore sorti de mon cours, bande de petits sacs à merde Enchaînant, Louis Rodriguez est complètement folle. Oui. Et elle vend. Plus personne ne comprenait rien. Alors ah mes enfants, asseyez vous Le cours n'est pas encore terminé. Que veut des chatouilles Qui veut des chatouilles Annabella se mit à pleurer. Elle ne savait plus que faire. Fabio, ne supportant pas de voir sa camarade de classe souffrir, prit une initiative improbable. Improbable, pardon. Il s'approcha de Mademoiselle louis Rodriguez et lui mit une énorme patate de forain dans la tronche. Mademoiselle tomba par terre. Mademoiselle en plus. était choqué. Mademoiselle se releva, déboussolé. Pardon. Merci Fabio, lui dit-il. J'ai un TDI, trop médiocillatif et une entité. Depuis que je me prends les hormones, on peut de dire au Il ne peut donc m'arriver d'être très agressif sans raison. Mais ma vraie personnalité, c'est celui-ci, adorable. Les élèves m'adorent en général. Désolé, Annabella, si je vous ai fait pleurer. D'ailleurs, si quelqu'un pouvait aller chercher le pauvre que j'ai renvoyé au début du cours, il ne mérite pas ce que je lui ai infligé. Je vous considère tous, ici, comme mes propres enfants. Et si ma personnalité agressive venait à se manifester de nouveau, je vous autorise à me mettre des peines dans la f... pour la faire repartir. Voilà, Annabella, voici un oeuf que j'ai pondu. Il n'est pas très réuni... réussi, car ma transition n'est pas encore finie. Mais c'est l'attention qui compte. C'est tellement drôle. Le téléphone de Manuel lui... Je sais, je sais, Louniac, je sais. Je l'ai déjà dit, hein, Louniac, t'as qu'à écouter le stream. Oh non. Le téléphone de Manuel Louis, Rod Rodriguez, Sona. Oh pardon, c'est un appel. Je dois quitter le cours plus tôt, exceptionnellement aujourd'hui. J'ai un rendez-vous médical. C'est encore un mois ou quoi Pour mmh. me faire greffer un deuxième bit. <laughs> pour la semaine prochaine, lisez les trois premiers chapitres de mon manuel. Fais pas genre. On en parlera tous ensemble au prochain cours. Je file gros bisou, mes petits anges. Tous les élèves sortirent de la salle de cours. Annabella traversa le campus pour rentrer chez elle quand Fabio la rattrapa. C'est beau, c'est. Hé hey, Annabella, ça va Oui, merci. Sacrément mouvementé ce premier cours. Hein. <laughs> ouais, c'est clair. Dis-moi, je trouve que le courant passe plutôt bien entre nous. Ça te dirait d'aller euh, boire un verre, un de ces quatre <laughs> oh, En tout cas, tout à l'heure, bien sûr. Annabella était sensible à la courtoisie de Fabio. Elle se sentait appréciée par sa personnalité et pas uniquement pour son sex appeal Malgré tout, elle restait méfiante. Elle avait peur de s'attacher depuis les événements du Larzac. Ah là, tu m'étonnes. C'est adorable, Fabio. Je vais y réfléchir, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Hmm. Comme tu veux. J'ai pris l'accent du Sud parce <laughs> que je cru que c'était main moi, lui. Comme tu veux. J'aurais pu te payer un Diabolomante ou un Sun. On aurait pu refaire le monde, parler de nos genres, de politique, de sport. Qu'est-ce que si tu viens de ça. dire C'est pas cool c'est pas cool L'alcool, c'est pas cool Alors pourquoi il y a le mot « cool » dans l'alcool Le mot « couille » dans l'alcool. N'insiste pas, s'il te plaît, Fabio. J'ai un lourd passé, tu ne sais rien de moi. Annabella s'éloigna. Fabio lui cria de loin. Est-ce que tu penses venir au week-end dater, au moins Je suis au BDE. On a fait ça, bizarre. Aïe, bizarre. On a fait ça, <laughs> bizarre. Annabella fit comme <laughs> si elle, avait, <laughs> elle ne l'avait pas entendu. Elle n'était pas sûre qu'un week-end de beuverie l'aide, à... waouh, un week-end de l'aide à se reconstruire. Je pense pas, non. Arrivée à son appartement, elle s'affala sur son lit, épuisée par sa première journée de cours. Oui. Elle sortit son ordinateur et se masturba devant le... la célèbre série Squid Game. <laughs> C'est chaises en fait. Ces chaises qui se masturbe devant Squid Game. Pardon <laughs> elle ne savait pas si c'était la grosse poupée géante de les. Chaise quand m'a souvent Yes, yes. oh je suis trop fort. Mais, Attends. C'est toi qui te masturbes devant Squid Game, Chaise, c'est connu. Ah, oh, ils sont trop beaux les personnages. Pardon. Oh là là. Bon. T'as elle... tout loupé, Chaise, sur le professeur là. Mais bah oui, avec il était les parfait genres, le professeur ouais. de genre avec les genres. Mademoiselle lui. Ah, bon, Louis. on va le revoir, mademoiselle lui yes. de toute façon. Elle ne, sait, elle ne savait pas si c'était la grosse poupée de de l'épreuve de la Marelle qui lui faisait beaucoup d'effet ou simplement de voir des Asiatiques mourir par, par paquet de vis. <laughs> elle ne chercha pas à en savoir plus, se concentrant sur la seule chose importante à l'instant T, jouir à fond. Puis elle se prépara une petite omelette avec l'infâme E de Mademoiselle louis rodriguez Attends, la elle, a, elle oeuf, fait pas. une omelette avec l'infâme Ouais. C'est bizarre, non Un petit peu. Tu ferais ça, toi Non Expliquez-moi là! Bah, on peut pas, faut que tu regardes là, de la rediff, mais bon. On part tout relire dès le début. Hein. Chapitre 8, j'ai mangé une bite. On est juste au chapitre 2, hein. tout va bien. Chapitre 2. Un week-end de débauche. Oh! C'est à Tribord qu'on gueule, qu'on gueule, le plus, plus fort. fort. Ah bon! Annabella n'arrivait pas à dormir dans l'avion en direction d'Ibiza. C'était <laughs> un avion A380 privatisé par le très puissant B2 de la fac de genre. Tous les étudiants étaient fracassés et beuglés comme des putois. Tous sauf Annabella, qui essayait de dormir. Un garçon s'approcha d'elle, il portait un t-shirt 6 et alors. Hé <laughs> la gothique, on te fait chier T'as pas envie de t'intégrer Je suis fatiguée, j'ai des pensées sombres, j'ai une année difficile, je profiterai mieux du week-end si je me repose sur un trajet, répondit poliment Annabella. Écoute ma belle, <laughs> moi je m'appelle Stephen et je suis le président du BDE. Sous moine, tout le monde s'intègre. capiche Stéphane, j'en ai connu un. Hein. Et elle a été comme ça ou pas Ouais, c'était un peu à se la péter et tout. Et en plus, Stéphane, ça, ça dit Steven en anglais. Mais du coup, en, ouais. en français, on, a, on dit Stéphane. Est-ce Est qu'il avait un t-shirt comme... 6 et alors Ouais, peut-être. Quid du, li du libre arbitre de chacun, Stéphane <laughs> Quid du libre arbitre de chacun Répéta Stéphane en imitant, provoquant l'hilarité dans l'avion. <laughs> Une fille de la promo d'Annabella crie à Stéphane Bisut là, Stéphane tout le monde se mit à se crier. Bisut là Bisut là, là. là. Stéphane, qui avait écrit sur le dos de son t-shirt Stéphane. Ah oui, Sté-Fun. <laughs> se montra menaçant avec Annabella. Écoute-moi bien, Evanescence <laughs> <laughs> Attends. Oh, je m'attendais pas à ouais, voir Evanescence. Écoute-moi bien, Evanescence. Si tu ne bois pas cul sec cette taille de Jack Dance pour t'intégrer je l'intègre dans ton anus. Sans préavis, ok Waouh, je refuse, Stéphane. Laisse-moi naviguer au gré de mes pensées, je te prie. Stéphane saisit Annabella par la taille. C'est moi qui dis ça le... la... Ouais, la taille la retourna et baissa son mini-shirt en jean, et laissant apparaître un string si fin qu'il aurait pu couper un atome en deux. <laughs> Alors que le terrible Stéphane approchait la bouteille de Sky du pourtour anal d'Annabella, Fabio sortit d'une part oh, Fabio. et tendit son postérieur à lui devant le... la bouteille pour l'encaisser à la place d'Annabella. L'encaisser Ouais. <laughs> dis non que c'est. Aïe Dis Fabio, ça va, Tabella euh, Merci beaucoup, Fabio. Stéphane, Stéphane, pardon, était furieux. T'es qui toi C'est quoi ton problème Pourquoi tu te, tu la joues sauveur là Tu veux tringler Marine Monroe Marilyn Manson, c'est ça euh, Marilyn Manson, trop bien vu, Stéphane. Tu gères, on t'adore. Lance un type dans le fond de l'avion. Allez, j'invite tous les mecs et les meufs qui ont envie de pisser à venir se soulager sur nos deux tourtereaux. Ils vont finir par s'intégrer, qu'on le veuille ou non. Une file commençait à se former dans la rangée centrale de l'avion. Les mecs buvaient un max de binouze pour remplir leur vessies. Les filles préparaient leur pisse de Annabella et Fabio étaient cernés. Les premiers jets d'urine arrivaient de toutes parts. Cette douche chaude n'était, à la grande surprise d'Annabella, pas si désagréable. Fabio, quant à lui, pleurait. Il se sentait humilié. Mmh. Bah, elle, elle était... Euh, euh, Annabella, elle, euh, euh, alors... Pardon. Cela fait déjà 25 minutes que tous les étudiants de la fac de genre se, re... se relayaient pour souiller Annabella et Fabio. Alors que le triste <laughs> spectacle devenait insoutenable, un étudiant particulièrement zélé du nom de Nicolas de Saint-Germain-la-Tour dépassa les bornes. Il ouais. en avait marre de faire la queue pour se soulager sur Annabella et doubla tout le monde. Sa soif d'humiliation était totale. Il avait les yeux injectés de sang. Ouais. Alors les nouveaux refusent de s'intégrer ou quoi Hurla-t-il. Puis il baissa son pantalon et se mit en position pour déféquer sur la tête de Fabio. C'en était trop Annabella, qui s'était jurée de ne plus jamais utiliser ses pouvoirs de supermarché, éprouva le besoin de protéger Fabio qui semblait craquer moralement. Elle fit un rapide mouvement des mains, grâce à la puissance du rayon surgelé, congela la crotte de Nicolas de Saint-Germain-la-Tour, alors que sa dernière n'était même pas encore sortie complètement de son orifice. Congela <laughs> la crotte. J'adore congeler la crotte. Waouh, j'ai froid C'est quoi ce délire j'ai de la glace dans le cul. Putain, ça fait mal, hein, mon trou de cul. Ouh, la glace m'écorche la Aïe, ouioui, aïe, aïe, Fleur du chat, Nicolas de Saint-Germain-la-Tour. Annabella assaura son petit crop-top plein de pisse et retourna s'asseoir à sa place. Maintenant, laissez Fabio et moi tranquilles, s'il vous plaît. La faculté, c'est avant tout pour étudier. Euh, c'est quoi, c'est Stéphane, ok. C'est quoi ce délire avec la glace Putain, t'es une vraie sorcière, en fait. À Stephen, Swag! Tu fais quoi la gothique? Non, tu sais quoi? Tu sais quoi la gothique? Ah, mais Je te qui donnerai? <laughs> Quand on passe une passe, ça veut rien dire. Tu sais quoi la gothique? Trouve. Je te. Ah bah excuse-moi mais <laughs> tu sais quoi la gothique? Je te trouve cool en fait. après de maintenant, tu es sous la protection du BDE. Il sortit un objet de sa poche, ça ressemblait à une sorte d'harmonica. <laughs> Prends ça. <laughs> Qu'est-ce que c'est Un sextoy Demande à Bella, curieuse. Non, euh, non, enfin, ça dépend euh, quand tu l'utilises. Hein. Mais à la base, de la base, c'est un instrument de musique. C'est gentil, mais je ne sais pas en jouer. T'as besoin de savoir en jouer. Si un jour t'as besoin d'aide, souffle simplement dedans. Et le BDE de la fac de genre interviendra. Merci beaucoup Stéphane. Je savais que tu étais un chic type d'enfant. Euh, par contre, je me considère comme une femme. Hein. Mais pas de problème. J'ai l'habitude d'être mégenré. Fais juste attention la prochaine fois que tu m'interpelles. Je t'en veux pas. Tu qu qu'en première année, après tout. J'y verrai, Stéphane, promis. Le parleur de l'avion raisonnaire. Alors, mademoiselle, ici votre capitaine de bord. Nous allons passer dans une zone de turbulence de, -de kiff, car hein, nous sommes arrivés à Ibiza. Yeah <laughs> Le pilote met un mix de world, round, de world Hold On de Bob Sinclair à fond dans l'avion avant d'amorcer son atterrissage. Je siffle pas. World Hold On <laughs> <laughs> le week-end d'intégration se passa royalement bien. Royalement, Annabella passa son week-end à boire des litres et des litres de passoire. De passoire, t'as le... dit c'est marrant. Passoir. Comme une passoire, passoir. ça me fait De passoire? Passoir. Pas mais oui, passoa, tu peux dire, non, mais c'est bien, c'est bien. Passoa. Non, tiens, pas Moi, je dis pas Ah, tu dis pas ouais. Est-ce que vous dites pas soa ou pas soa, la team Ou est-ce que vous en voulez pas parce que c'est pas bon C'est dégueulasse. Sous l'effet de l'alcool, elle oublia tous ses principes. Elle coucha avec cinq personnes qu'elle avait cru identifier comme étant des garçons six personnes qu'elle avait cru identifier comme étant des filles ainsi que deux personnes dont elle n'avait aucune piste de ce qu'ils étaient. Peu importe, elle ne se rappelait de rien de ces quelques jours de folie. Dans l'avion de retour, tous les étudiants dormaient avec des masques de nuit sur, sur les yeux. Comme moi. Annabella n'arrivait pas à trouver le sommeil. Elle était encore assise à côté de Fabio, qui était éveillé lui aussi. Ah. Le week-end week d'un thé t'a plu, Fabio Ça avait mal commencé dans l'avion, mais je dois bien avouer qu'une fois à Ibizel, en bizarre, c'était très fire. Sa simplicité et son humilité ne laissaient pas Annabella indifférente. humilité, je ne comprenais pas. Sa simplicité et son humilité ne laissaient pas Annabella indifférente. Après avoir couru... Euh, et après avoir couru après des figures d'hommes héroïques comme Lord Gontran ou l'inspecteur Stéphane, ouais. Annabella était en train de comprendre que son salut était peut-être dans la fadesse de Fabio, un monsieur tout le monde <laughs> comme il en existe tant, un <laughs> monsieur fadesse. tout le monde qui donnerait tout pour elle, qui serait prêt à l'aimer pour autre chose que son cul divin et sa cambrute parfaite. Cambrure, pardon. Sa cambrure. <laughs> Fabio, pardonne-moi si je suis direct, mais est-ce que je t'attire eh Ben bah oui, Annabella, tu as beaucoup de charme. Annabella sentit une sensation inédite dans son ventre. Serait-ce des papillons <laughs> Son cœur se mit à battre la chamade. Elle s'approcha de Fabio et l'embrassa avec la langue. Euh, ouais, ouais. Puis elle mit sa main dans son boxeur, lui ouais, ouais. va avec une facilité déconcertante son pénis et le malaxa. Fabio, tu veux sortir avec moi euh, C'est pas un peu précipité, enfin, enfin je veux bien. Hein. Au diable les convention J'éprouve pour toi ce que je n'ai jamais éprouvé pour personne. Ça match entre toi et moi, Fabio donc ça y est, on est ensemble, demanda Fabio surpris par la vitesse des événements. Oui, dis-moi, tu as déjà entendu parler du club des dix mille bah, Non, c'est quoi C'est tous les gens qui ont déjà fait l'amour en avion. Tu <laughs> te dirais de rejoindre le, le club qu, 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 Quoi Il y a plein de gens autour. Mais ils dorment. On sera discret, comme dans, comme des mythes dans des chandails. <rire> <rire> Coucou Delia, comment tu vas, bébé Euh, Eh bien, d'accord, béga Fabio. Avant d'ajouter, c'est juste que voilà, comment dire, je suis puceau. Ah, laisse-moi gérer Annabella. Euh, pardon, laisse-moi laisse gérer Annabella. Je suis Anna Fabio. Annabella grimpe à son Ça nous. va très bien, d'élia je vais faire des cafés. Ok, enleva son haut et lui fit bouffer ses seins. Ah, oh, bon, Et elle commença son va-et-vient sur le membre dur de Fabio. Elle se mit à bugler comme une poissonnière. Ah oh, oui, putain, que c'est bon, Fabio! J'ai sens si profond. Oui, putain Je vais jouer continuer. Je suis ta cochonne, rien qu'à toi. Tu joues trop oh. bien. <laughs> tu joues bien. Merci. On aurait dû demander une dria. Ah oui, j'avoue. Ah, je peux mettre les sons d'Indria qui fait des sons de cul en fond, si tu veux. Vous voulez que je mette des sons d'Indria qui fait du cul ou voir en fond Je viens de m'en faire un pour écouter. Ah trop bien. Hein. Ah ben bah, je vais m'en faire un aussi Delia, dans le cul. Euh, Annabella, euh, chut, on avait dit discretos Ah Tu me fais mouiller Ah <laughs> Les dialogues sont trop drôles Ça vient, oui mmh. Plus fort, plus vite, moins vite, plus profond, plus sur le côté Oui Moins vite, plus Vous fort -moi. Oui, un peu <laughs> euh, Autour d'eux, tous les étudiants se réveillèrent tellement Annabella faisait un barouf du diable. Fabio gêné débanda. Oh, C'est la débandade c'est la débandade, non Dé... C'est où euh, Je suis désolé. Quoi Je te plais pas, c'est ça Pfff Rouspéta Annabella. Mais pas du tout, c'est juste que. Le haut-parleur de l'avion résonne. Ladies and gentlemen, ici votre capitaine Et nous ne sommes pas sur un bateau <laughs> eh, Je plaisante bien sûr. Nous arrivons à notre destination, veuillez vous attacher et ne surtout pas baiser pendant la phase d'atterrissage. <laughs> je dis ça euh, pour les deux ports du fond. J'espère que vous n'avez pas salopé les sièges dans l'avion. Euh, cela dit, si la Miss veut venir visiter le cockpit, <laughs> qu'elle n'hésite pas, ma femme Gwendoline m'a quitté. Euh, et depuis, ce n'est pas facile, facile tous les jours pour moi. <laughs> je me suis inscrit sur Badou, mais bon, je suis une en drague. Tout ça pour dire que je me ferais bien euh, Pépon un coup. <laughs> et euh, on est comme ça, nous, les membres de l'alliance SkyTeam. Enfin bref, merci euh, d'avoir choisi notre compagnie. À très bientôt. J'aurais été le Pépon direct. Bah oui, pilote d'avion et non pas pilote d'Anion. Chapitre 3. Amour et sexe vanille. Oh, vanille. Hmm ok, c'est du Minecraft en fait. Non, vanille. Hello Van... Julie, ça va Ah, y a Julie Witchy hmm. Julie a gratté tout le moment où j'ai simulé un, un, un orgasme. Dommage. Annabella <laughs> était officiellement en couple pour la première fois de sa vie. Je vais Elle juste aller noter la roue d'Otaya, je vais me permettre. Ah oui, vas-y. C'est à ton café. Merci. Elle vivait une idylle sincère avec Fabio. Dès le lundi, ils retournèrent à la fac pour suivre les cours de genre dispensés par mademoiselle Louis Rodriguez. Annabella se mettait toujours à côté de Fabio en cours. Elle pouvait ainsi lui caresser la verge quand elle le voulait. Elle avait lu sur internet que pour faire durer la flamme de son couple, il fallait mettre du piquant dans la vie sexuelle. Annabella comptait bien y mettre un pot entier de sauce harissa, 12 milliards sur l'échelle de Scoville. <laughs> Ça va et toi Elle s'en sont, elles sont savait capable. va très bien, Julie. Pendant les cours, elle faisait passer discrètement des petits mots à Fabio sur lesquels étaient écrits des trucs du style euh, « The thème, envie de toi, <laughs> tu me prends les fesses après les cours, chapeau <laughs> chapeau, le rêve de tout homme. <laughs> » Ah oui, c'est vrai. Oui. Oh, J'ai envie de te les T envoyer. Aussi. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais please. Fabio ne semblait pas réceptif plus que ça aux petites attentions ah, sexuelles les... d'Annabella. Mais on lève, Doudou. On Regarde mon front. Bye bye, mais oh... Ah, J'ai des trous dans le front. Attendez, j'enlève un peu. Hein, parce que... Deux mois passèrent. Je le mets comme ça deux secondes. Fabio et Annabella. <laughs> <Des beaux. rire> On dirait Catwoman. Oui. Fabio et Annabella avaient été emménagés ensemble. Ah, carrément mmh. Fabio regardait la casa des papels dans la télé du salon quand Annabella vint <laughs> s'asseoir à côté de lui. Et hop, le bim dans les fesses. <laughs> et hop Oh non Elle soupira. <laughs> je sais pas où je suis. Euh, euh, Qu'y a-t-il, mon cœur demanda ah, Fabio. Rire. Ah, rien. Euh, euh, ok, je croyais. Tant mieux alors qu'il n'y a rien. Je, je dé déteste le conflit. Mais lis entre les lignes, putain, Fabio Enragea la belle gothique qui n'était jamais aussi ex excitante que quand elle s'énervait. Mais qu quelle ligne J'aime la simplicité. S'il y a un souci, tu me le dis en face et, et sans détour. Ok, pourquoi tu ne me fais jamais l'amour <laughs> C'est une réponse. Croquette Croquette Honnête Pardon. Oui. Eh bien, tu me fais peur, Annabella. J'aimerais te faire l'amour, mais ton appétit sexuel me repousse. Tes pratiques sont beaucoup trop hardes pour moi. Comment ça J'aime le sexe vanille. Écoute-moi bien, IAS, de merde Mange tes croquettes. Ah c'est vraiment ça, c'est ma voix, alors. Oui. Ouais, voilà. euh, J'aime le sexe vanille. Je suis un romantique. Je n'aime que le missionnaire en regardant ma partenaire dans les yeux. Le quoi Le missionnaire. jamais entendu parler. Euh, si tu veux un truc simple, je peux essayer de trouver des partenaires en plus pour faire un foursome interracial. Ça t'irait Non Tu veux que j'aille chez le poissonnier à l'angle de la rue pour acheter une murène et que tu puisses me l'enfoncer où tu veux Non Tu voudrais que je te vomisse sur le pénis la prochaine fois que je te fais une fellation Non Non Une fois le vomi par terre, je nettoie le sol avec ma langue et je remange mon. Mais vomis. non, Annabella mais enfin! Rien n'est assez vani pour toi, Fabio! Je suis frustrée sexuellement! J'exige qu'on se mette en couple libre pour que je puisse au moins souvenir mes besoins! C'est vraiment la vie de Leclerc, quoi. C'est hein. la conversation de Leclerc et sa nouvelle meuf. <laughs> Sœur de question! Au moindre écart, je te quitte, Annabella! Parce que tu m'aimes et que tu ne supporterais pas de me voir dans les bras de quelqu'un d'autre, c'est ça? Exactement, ma douce. Je t'aime! Moi aussi, Annabella. Sujet clos. D'accord. Tu as vu l'air? Merde, on a cours de vagin à 15h30, <laughs> on va être à la bourre. Oh, le cours de vagin. Oh, le cours de vagin. Le poisson était de trop. Ah non, le poisson c'était. Elle ah, vomit non, par contre. Un délire <laughs> trop bizarre. Si vous une murène dans le cul, c'est vraiment trop. Par contre, vomir sur la bite et après lécher le vomi par terre, ça, ça va tranquille. Ok, ok, délire. Non, mais chacun ses kinks, hein. nous on juge pas. Hein. Là, on est sur une chaîne LGBT, si on juge personne, ok Allez, c'est le cours de vagin, on est parti. C'est. Ouais. Attends, ça va être. Tiens, un peu. Ça va être quoi, ok ça va te lier un peu. Les deux taureaux coururent à la fac, main à la main, comme si la dispute n'avait jamais eu lieu. Annabella était si heureuse d'avoir rencontré un mec fiable comme Fabio, qu'elle était prête à faire un effort pour mettre entre parenthèses sa sexualité débridée. Mmh. Quand ils arrivèrent dans leur salle... Les gorges profondes peuvent faire vomir. C'est vrai. Quand ils arrivèrent dans leur salle, le cours avait déjà commencé. Mademoiselle lui, portait une tenue en latex noir qui cachait tout, y compris son visage, mais laissait clairement ses, mais laissait clairement ses deux pénis à la vue de tous. Ah ben, elle a déjà son deuxième pénis. Bah ouais du coup. Ok. Fabio, Annabella. Ah non c'est non excuse-moi. C'est vrai que mademoiselle lui je sais oui. que je fais. Fabio, Annabella, vous êtes en retard. Pour la peine venez au tableau à une terre surprise sur le cours précédent. Annabella et Fabio montèrent sur l'estrade. Tout le monde les regardait. Bien Annabella, j'aimerais que vous exposiez en détail la théorie queer et son impact sur les études du genre. Comment cette théorie remet en question les notions traditionnelles de sexualité de genre et comment elle est liée au mouvement LGBTQ+. Quant à vous, Fabio, j'aimerais qu'en utilisant des exemples concrets, vous nous démontriez de diverses façons dont l'intersexualité influence les expériences des femmes appartenant à différentes classes sociales, races et origines étonniques. Je vous écoute. Et tonique. Et il y a zéro recherche par wow. zéro? Zéro. Je pense que c'est le, le cerveau de Babord. Il... Le cerveau de Babord est malade. Il est malade. C'est ça qui est génial. Est... Euh, les deux amoureux n'ont mené pas large. Annabella ne se démonta pas et tenta le tout pour le tout. Le eh bien, je... ah bah, oui, bah oui c'est toi Annabella, enfin. Ouais. Eh ben c'est moi Annabella <coughs> Pardon. Eh bien, la théorie queer, c'est qu'il y a des gens, ils sont pédés. Et d'autres <laughs> gens, ils sont pas pédés. Et les pas pédés, des fois, ils n'aiment pas les pédés. Alors ils les critiquent. Ah, <laughs> la recherche de fou pour le livre. Tous <laughs> les élèves étaient mal à l'aise pour eux. Manuel, lui, reprit la parole. Vous, vous moquez de moi, Annabella pardon, mademoiselle louis rodriguez, je n'ai pas révisé, je dois bien le reconnaître. vous me décevez tellement, annabella! j'avais des chez vous, <laughs> j'avais des chez vous, un potentiel gigantesque. mais tout potentiel, si on ne le travaille pas et qu'on se repose sur ce acquis, restera du potentiel. finissez le proviseur! vous me dégoûtez! <laughs> si je n'avais pas le problème de gorge depuis mon ablation de la pomme d'adam, j'aurais sûrement vomi de déception. Malheureusement, je ne peux me le permettre. Le vomi me brûlerait de l'intérieur. Oh non. Annabella sortit de la salle de cours en pleurant. Et elle a frappé chez le proviseur à la fac de genre. Entrez Annabella rentra. Pardon. <laughs> Annabella rentra. <laughs> ben, bah, Annabella. Qu'est-ce qui <laughs> s'est passé, là Parce que je me suis dit... Ah, c'est Annabella qui lire. parle Bah oui. Et en fait, non, c'est pas mon tour. Annabella rentra. Pas... <laughs> Qu'est-ce qui vous... Qu que vous amène ici, jeune... Euh... Fille ah oui, jeune fille, je préfère être sûre car j'ai des pénalités de salaire si je mégenre les élèves. Le, oh, bah, ce serait bien. Mmh. Le rectorat a serré la vis cette année et c'est pour le mieux. Je veux une société progressiste et la... dans laquelle tout le monde se sente respecté. Alors mmh. Eh bien, je me suis fait renvoyer du cours de Manuel Louis Rodriguez car je n'avais pas révisé mon cours de la veille. Très bien, je vois, dit-il en se frisant la moustache. Laissez-moi réfléchir, je déteste punir les élèves. J'essaie en général de trouver les solutions qui tirent tout le monde vers le haut. C'est tout à votre honneur, monsieur le proviseur. Le proviseur se leva et se dirigea vers une grande armoire en bois massif. Il l'ouvrit et en sortit un fouet. Je ne vais pas vous fouetter, Navella. Rassurez-vous. Le rectorat interdit que le corps enseignant ait le moindre contact physique avec les élèves. Me voilà rassuré, monsieur le proviseur. Par contre, j'ai j'aimerais que vous le fassiez vous-même. Tenez. Et il tendit le fouet. Le fouet. <laughs> Ah, C'est encore à moi. Oui. Okay. Vous avez été une vilaine fille. Vous méritez une punition digne de ce nom. Croyez-moi, ce n'est pas de gaieté de cœur que je vous demande de retirer votre mini jupe, de cambrer vos fesses et de vous auto-flageller avec ce fouet à pic. Je oh. veux juste que la prochaine fois vous révisiez vos cours. Je fais ça pour votre bien. Je sais bien, Monsieur le Proviseur. Adela ne se fit pas prier et s'exécuta. Elle se flagella avec zèle et passion. Malgré la souffrance, elle était excitée par la situation. Cette figure paternelle. Par la Ah oh, non. Ah ou fi... là, cette figure Pati... waouh, merci. Cette figure poutre. Vous avez compris, patriarcale, autoritaire, qui l'a regardé se rougir le fion la faisait mouiller. Elle se rappela cependant ce que lui avait dit Fabio. Au moindre écart, il la quitterait. Ah là là, bah oui, elle l'aimait tant, un garçon aussi droit et intègre, elle ne voulait prendre aucun risque. Elle ferma même les yeux et imagina que c'était Fabio qui la fouettait. Elle était ainsi sûre qu'elle ne le trompait pas en pensée. Ce petit cinéma durera deux bonnes heures. Ah putain La vache. Annabella saignait, ses fesses étaient en lambeaux, des gros morceaux de peau pendaient tellement elle avait mis du cœur à l'ouvrage. Excusez-moi. Le proviseur qui faisait un peu de bureautique en attendant leva le nez de son tableau Excel. Bien, bien, bien. Je pense que ça ira, mademoiselle Annabella. Et que je ne vous y reprenne plus, à ne plus relire vos leçons avant de venir en amphi. Promis, monsieur le directeur. Une dernière chose avant de vous libérer ce morceau de fesses qui pend où il est hein, là celui-là, monsieur le directeur Fouetter <laughs> n'est pas trompé, c'est vrai. <laughs> répondit Annabella en pointant du doigt une énorme tranche de chair qui était sur le point de se détacher de son postérieur. Oui, celle-là même. Je pense qu'elle va tomber et qu'elle ne tiendra pas la nuit. Tenez, coupez-la. Coupez-la moi, je vous prie. Elle lui tendit, il lui tendit par nuit hein, un coupe-papier. Annabella s'exécuta sans chercher à comprendre. Aïe oh. le, le morceau de peau partit sans difficulté. Ne faites pas la chochotte, Annabella, voyons. Mettez-le là-dedans, ajouta-t-il en tendant un tupperware. En faire, je vais le manger avec des pommes de terre sautées. Je pense, <laughs> je déteste le gaspillage. Sortez de mon bureau maintenant. Vous m'avez assez fait perdre de temps comme ça. Annabella sortit et alla rejoindre Fabio au resto. Au resto, U. elle se déplaçait doucement et en boitant à cause de la douleur de son popotin meurtri pour éviter que sa jupe ne frotte sur ses fesses à vif. Elle était obligée de le porter au niveau de son ventre, laissant tout le bas de son corps ben à voilà. la vue de tous. Ben voilà, Elle se toi. présenta au cantinier. Bonjour monsieur. <laughs> Bonjour monsieur. <laughs> Je dois en français. Je joue à Nabella qui va voir le cantinier. <laughs> Bonjour monsieur. Bon. Bonjour monsieur. J'espère que vous allez bien. Je veux bien de la purée, une saucisse, s'il vous plaît. Quoi Oui. <laughs> allez dire je Refais ta phrase. Ok. Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Je veux bien de la purée et une saucisse s'il vous plaît. On ne sert pas les putes ici. T'as vu comment t'es habillé Je n'ai pas le choix. J'ai dû moto flageller car je n'avais pas révisé. Le cantinet ne l'a laissa pas finir et lui jeta sa louche sur la tête. Il est très bon mon couscous, oui c'est ça. <laughs> Il est très bon mon couscous. <laughs> J'ai la ref. C'est sa meilleure vidéo en même temps. Oui. Je joue le quoi je continuer. Non, mais non, mais oui, mais le tour de couscous, c'est Je joue le vendeur de couscous, c est, c est, c est, ça me fait rire. Ok, excuse-moi. Oui, rien à, rien à foutre de tes excuses, c'est à cause de étudiants. Il Rien à foutre de tes excuses, c'est à cause d'étudiantes comme toi que notre fac de genre est passé derrière Beckley dans le classement annuel du magazine Challenge. T'es fier de toi? Grosse pute Non, pas du tout C'est la seule fois où c'est arrivé Je suis studieuse, d'habitude oh, je vise l'excellence pour mon établissement Mais vous n'êtes qu'un cantinier, calmez-vous Oh, c'est vrai, hein Tenez, votre purée saucisse Bonne journée, mademoiselle <rire> 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 la, fin, la fin du truc, genre... Ouais, pour ta purée saucisse on avait là prit son plateau et s'assit à côté de Fabio, qui nota immédiatement qu'elle ne marchait pas comme d'habitude. Mmh. Mais pas qu'elle avait la jupe relevée, hein C'est mmh. l'habitude T'as-tu boîte <laughs> de... Bah... Et pourquoi tu vends ton cul à tout le monde Il t'a sodomisé, c'est ça Oh, je te jure que non, mon amour. Il m'a forcé à m'autofouetter avec un martinet. Bah, bien, bah voyons. Je suis sûre que sa position sociale t'a excité. Et comme tu es complètement nymphomane, tu t'es jeté sur lui. Pas du tout, justement. J'ai même imaginé que c'était toi qui me fouettais pour n'avoir rien à me reprocher. Comment te croire Je n'ai que ma parole, Fabio. Alors que la dispute allait monter d'un cran. Une énorme alarme retentit dans tout l'établissement. Pas ouais. mal. Tous ouais. les élèves se levèrent et coururent en dehors du resto U. Annabella et Fabio sui suivirent le mouvement. Qu -ce « Qu'est-ce qui se passe C'est l'alarme incendie !» cria Annabella. Stéphane, le président du BDE, était à côté d'eux. Stéphane, Stéphane. Je sais pas où il est. Non. Non, c'est une annonce euh, importante du proviseur. Il faut se réunir dans l'auditorium principal. Annabella, il, il a changé de voix, Stéphane. Il a eu un de cheval. Et c'est quoi qu'il faisait je sais plus. Comme bah ouais. Ça <laughs> va, ça va musique. la musique là et La musique apparemment elle se baisse quand on parle donc. Euh, ah ça oui, d'accord. Annabella et Fabio arrivèrent dans l'auditorium bondé. Toutes les promotions étaient réunies. Des petits nouveaux de première année jusqu'au triple redoublant en, en doctorat. Ah ouais Les triples redoublants. Ouais. <laughs> Annabella s'assit sur les marches de l'allée centrale car il n'y avait plus de place. Mademoiselle Louis était sur l'estrade et prit la parole. J'attends euh, J'arrive, j'arrive, je suis sur Mademoiselle Louis, euh, plus cher avec mes deux bites. J'arrive. Double beat. Du B. Double beat. Double beat. Tu peux me dire où c'est Non. Ok. Bon, chers élèves, je vous demande de vous lever de vos sièges et de faire un maximum de bruit pour votre proviseur. Foutez-moi les sbolles Tout le monde se leva et applaudit. Le proviseur rentra sur l'estrade comme une rockstar. Il mima d'ailleurs de jouer de la R-guitare. <laughs> je fais du R-saxophone. Du euh, puis du R-jambé. Et s'arrêta là car il réalisa vite que c'était de l'appropriation culturelle. <laughs> Okay. Mmh. c'est Chers élèves de la fac de genre, merci pour cet accueil. J'ai une grande annonce à vous faire. Il n'y avait plus un bruit dans la salle. Tout le monde très de curiosité après ce teasing. Comme chaque année aura lieu notre grand bal de fin d'année. Ça fait deux fois année dans la phrase. <laughs> Je suis nul en discours. Bref. <laughs> D'habitude, le bal de promo a lieu dans la salle de la fête du village. Que la faculté privatise pour l'occasion. Mais cette année, c'est un peu différent. Tout, tout le monde retenait son, son souffle. Je pensais que c'était ma phrase, mais pas du tout. Salut Popol. Hello Fierpopol Pression culturelle, putain, comme toi <laughs> Popol, qui t'appelle Popol, alors que c'est de la pression culturelle par rapport au Popol. Pour la première fois dans son histoire, le bal de la fac de genre a reçu le soutien d'un généreux mécène, ce qui, ce qui nous permettra pardon, de l'organiser dans un lieu incroyable, 100% privatisé pour l'occasion, le château de Chambord. Waouh, les élèves n'en revenaient pas, ils étaient excités comme des puces. Ouh, ouh, le proviseur reprit. <laughs> C'est une nouvelle exceptionnelle. Et il confond les pays et la culture là, Popole. <laughs> Alors, c'est une nouvelle exceptionnelle. Et pour ça, je tiens à remercier notre généreux bienfaiteur, Lord Gontran Leclerc. C'était sûr, on l'avait dit. Putain, c'était sûr, c'est lui. Mm. PDG des hypermarchés du même nom. On l'accueille, s'il vous plaît. Le sang d'Annabella ne fit qu'un tour à l'évocation de ce nom. Lord Gontran Leclerc, plus classe que jamais, rentra dans l'amphi sous les applaudissements massifs des étudiants. Il checka le proviseur avec style, un peu comme Obama sur la photo où il check un homme de ménage. Lord Gontran <laughs> s'approcha du micro et ferma sa main pour indiquer à tout le monde de se taire. Bonsoir à tous, chers élèves. <laughs> J'ai décidé que Lord zoté maintenant. Okay. Bonsoir à tous, chers élèves de la fac de genre. C'est un grand privilège pour moi, en tant que PDG, de pouvoir, de pouvoir m'impliquer et d'aider financièrement à un si prestigieux établissement. Ensemble, je veux que nous fassions pâlir de jalousie toutes les plus grandes universités du monde et qu'on fasse rayonner la France. J'aime mon pays. Je me charge du lieu, de l'alcool et de la nourriture qui sera constituée exclusivement de produits frais de notre rayon traiteur de chez Leclerc. Je me charge aussi du DJ. J'ai euh, balancé des DM Insta à David Vendetta et Laurent Wolf. J'attends des réponses. Ma balle, un bol, un bol, un bol, un boule, un bal. C'est avant tout les personnes qui y participent. C'est pourquoi je veux que chacun d'entre vous vienne avec un cavalier et porte une robe ou un smoking qui coûte minimum 10K. Attention. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Évidemment, nous vérifierons l'étiquette de caisse à l'entrée de la soirée pour être sûr que personne ne gruge. C'est cher. J'en suis conscient. Mais c'est le prix à payer pour un bal vraiment top premium. Pour le reste, c'est euh, que vous soyez un homme, une femme ou un xubulubulu. <laughs> Attends, c'est quoi qui l'a marqué exactement Xibulubulu. Que vous soyez un homme, une <laughs> femme, un homme, une femme ou un Malubulu Malubulu <laughs> Malubul. <laughs> Vous êtes les bienvenus. Lord Gontran-Leclerc, c'est pas Pardon. moi qui lis. Lord leclerc qui n'avait pas remarqué Annabella jusque-là, croisa finalement son regard. Il eut comme une bouffée de chaleur. Il desserra un peu le col de sa chemise, Christian Odigier, et poursuivit <laughs> sa chemise, Christian Audigier. Bon, je file moi. J'ai des hypermarchés à gérer. J'ai encore un magasinier qui est mort, écrasé par une palette de Saint-Nectaire. Oh non! C'est le septième en un mois. J'ai de graves soucis de recrutement. Bienvenue dans la vie d'un chef d'entreprise. Tout n'est pas rose, même si je croule sur l'argent, vous savez. L'argent, pardon, vous savez. En plus, avec ma femme, tout n'est pas top top en ce moment. Au lit, ça me bat clairement de l'aile. <laughs> Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir tiré le signal d'alarme. lui, Walloui essayait de l'interrompre. Euh, merci Lord Gontran Leclerc pour votre générosité et votre sincérité. série. Le Lord Gontran le J'ai entamé le dialogue. Elle me reproche de trop travailler, que je fais du 8h, 22h au bureau, et gérer mes à gérer mes équipes et la logistique des de magasins. Bon. Je suis épuisé. Oh, je n'ai qu'une envie, c'est d'enfiler un jogging et de manger une bonne glace cookie dough devant une vidéo de fréro, du frérot Inoxtag. <laughs> Et c'est toujours à ce moment-là que ma femme, Patricia Demon, de son nom, vient me casser des couilles. Et moi, j'en peux plus. Laisse-moi manger ma glace cookie dough, bordel pâte, que je lui dis. Et elle elle râle. train. Mais non, c'est lui qui vit. Ah, et Elle elle râle. train tu me regardes plus Ils ne fait plus rien ensemble, je m'ennuie. Je regarde TikTok toute la journée. Et quand tu rentres... Bah non, et quand tu rentres tu ne penses qu'à tes maudites glaces Cookie do Vous voyez, je suis sûr que quand je suis rentré dans cet amphi, vous m'avez tous envié. Et pour reconnaître. Oh! Bah, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? C'est les Cookie c'est ça? Qu'est-ce qu'il se passe? Ça, ça va pas Vous l'avez entendu? Écoute-moi bien, Yas de merde! Moi, je croquettes Qu'est-ce qu'il y a, minute Ça va? Oh. Est-ce que vous l'avez entendu? Vous l'avez entendu miauler ou pas? C'est fou! Moi aussi, Gontran ne me regarde plus. Oh non Oh ah non, pas, pas Paul, oh, pas Paul. Miaou. Attends, j'ai du mal à lire, c'est tellement. Euh, ouais. euh, vous voyez, je suis sûr que quand je suis rentré dans cet amphi, vous m'avez tous envié. Il faut reconnaître que je dégage une sacrée aura. Et j'en suis conscient, hein. Mais vous voyez, ne vous fiez pas toujours à l'opercule <laughs> du yaourt. Il peut être périmé à l'intérieur. Je me sens vide. Je ne suis que cendre à l'intérieur. J'ai l'impression que je ne peux plus être l'homme, mais un cendrier. Un cendrium, en quelque sorte. Et les étudiants étaient émus par une telle confession. Stéphane lança un slow clap que personne ne suivit. Manuel Louis sentit que c'était sa chance d'intervenir. Oh. Ah, immense merci lors de Grand le Leclerc. C'était poignant. On espère que le bal vous remontera le moral. Vous êtes quoi juste, vous Un elfe Madmoisou était Manouaoui. Manouaoui Manouaoui. Manouaoui. <laughs> était tout réel, très... de se faire mégenrer devant ses propres étudiants. Mais pour ne pas froisser le riche mécène, se contenta de répondre Je me définis comme un hepta sub. <laughs> wow. Je me définis comme un hepta subhumain quantifié. J'en ai moi sept incarnations de genres différentes qui se relayent dans un cycle effréné à base bimensuelle. »« Oh, ok. Moi un homme. <laughs> répondit Lord Gontran Leclerc. Son regard croisa de nouveau celui d'Annabella. Cette dernière lui fit un sourire timide. il ne s'était pas revu depuis plus d'un an. Lord Gontran ne lui retourna pas son sourire et quitta la salle. <laughs> je d'acteur en français, je suis une femme mal aimée. Gontran, tu me mets dans la non, classe. Non 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 non. Quoi Non pitié. Excuse-moi, je te coupe parce que c'est hein? horrible. Je d'acteur en français, je suis une femme mal aimée. Gontran, ah tu me mets dans la classe. Qu'est-ce qu'il Non, tu ne veux pas le faire. <laughs> non, mais c'est le temps que je réalise ce que j'étais en train de lire. Oh, on fort. Non, du non, coup, non. vous avez entendu Yaz miauler, c'est trop bien. Oui, il l'a entendu, tu te rends compte mm. J'aimerais trop mettre le petit micro à gaz, comme oui. ça on l'entendrait dans les streams. Trop elle serait bien. là, miam, miam, miam elle se baladerait. Il faut que je mette un micro dans les poils, ça va être compliqué. comme ça. <laughs> Chapitre 4 Lien dans ma bio. <coughs> Après la folle annonce de Lord Montran Leclerc, les élèves n'avaient que 3 mois pour acheter leur tenue à 10 000K. Ah bah putain, la vache 10 000K, j'ai dit. Je suis ouais. trop ouais. con. 10 000K, ça cas. fait beaucoup. Hein. <laughs> à 10K. Annabella, qui n'avait pas beaucoup de sous, était en panique. Elle cherchait oh, sur Internet des tutos, des tutos pour se faire de l'argent rapidement. Fabio, quant à lui, continuait de lui faire la tête, persuadé qu'elle s'était faite sodomiser dans le bureau du professeur. « Regarde Fabio, j'ai trouvé un site avec un type qui promet de m'apprendre à me faire dix mille euros par mois depuis mon téléphone si j'achète sa formation. Que penses-tu »« Je suis sûr qu'il t'a sodomisé, le proviseur. » Annabella laissa tomber ses recherches et alla réconforter Fabio. Tu sais mon cœur, je m'en me, je fiche du proviseur. Je veux que ce soit toi qui me sodomise. Mais ça va pas C'est pas là que sort le caca. Pouah, le caca, ça pue. <laughs> je n'aime que le sexe vanille. Combien de fois faudra-t-il que je le répète Pardon, j'avais oublié. Je veux juste qu'on se réconcilie, qu'on s'aime comme avant. Je, je t'aime Fabio. C'est la première fois que je ressens ça pour quelqu'un. Je ferai tout pour ne pas te décevoir. Hmm. D'accord. Je te crois pour cette histoire de proviseur et de sodomie. Dernier, derrière... Dernière chose, car ça me ronge de l'intérieur. Le type qui est venu nous dire qu'il finançait le bal de promo, il t'a regardé bizarrement pendant son discours. Tu le connais Euh, non, euh, pas du tout. <laughs> tu es sûre euh, Hein Quoi Oui, bien sûr. <laughs> Pourquoi une petite étudiante gothique de province connaîtrait un brillant PDG d'hypermarché <laughs> C'est vrai, ça serait totalement what the fuck. <laughs> ah ouais, j'aimerais que tu me dises comment tu as fait euh, geler la crotte de Nicolas de Saint-Germain-la-Tour quand on était dans l'avion. Tu es vraiment une sorcière quand tu as gelé la crotte. Non, c'est... Comment dire Tu vois, chaque être humain possède un champ de résonance biopsychotronique, -psycho qui, sous des conditions particulières, peut entrer en résonance harmonique avec les champs de force quantique environnants. Ce phénomène est connu sous le nom de résonance quantique intrinsèque, ou RQI, pour faire court. Maintenant, ce qui se produit dans les circonstances aériennes, c'est que l'interaction entre la biopsychotronique propre à l'individu et le gradient thermique du vol, combiné à la polarité ionique des ions présents dans les matières fécales, provoque une amplification réciproque des fréquences de résonance. Cette amplification entraîne une perturbation micro-échelonnée dans la matrice énergétique des molécules d'eau à l'intérieur des excréments, induisant ainsi un état de transition de phase solide-liquide, typique d'une transition vitreuse de type 2. En d'autres termes, le mélange subit un processus de congélation instantanée sous l'influence du RQI, ce qui résulte en une structure cristalline de glace. Cette transformation est en fait une manifestation spectaculaire de la dualité ondulatoire particulière appliquée, un concept subatomique complexe qui est rarement observable dans le monde macroscopique, mais qui, dans ce qui nous est arrivé dans l'avion, semble se manifester avec une cohérence étonnante. Je <laughs> oh, que c'était. <laughs> Elle avait là des fois que. Genre... What the fuck, hyper comment il a dû se faire chier à écrire ça. Oh, de fou. Merci pour ta franchise Annabella. Je oui. savais que tu n'étais pas une sorcière et qu'il y avait une explication évidente à tout ça. Je t'aime. Je t'aime aussi mon bébounou wow, Ouais, mon bébounours. Mon <laughs> bébou <-nours>. Annabella, <laughs> avait, <tu chaud. rire> Elle avait du chaud. Avec du chaud. D'accord. je sais pas comment j'ai fait. Pour cette histoire d'argent ma chérie, je pense que le site dont tu m'as parlé est fiable. Achète cette formation. En plus, je vois sur ton écran que la promo à 1999 euros, au lieu de 4999 euros, expire dans 10 minutes. Annabella se ruia sur son ordi, sortit sa CP et acheta la formation. Puis elle s'isola dans sa chambre pour commencer à se former. Elle ressortit quelques heures plus tard au téléphone. Vous devriez acheter cette formation, vous allez devenir riche. En plus, elle est à seulement 1999 euros. Au lieu de 4999 euros, seulement, c'est une affaire. Wow. J'ai mal lu, hein, mais c'est pas grave. Comment, euh, comment j'ai eu votre numéro J'ai vu votre profil sur Facebook, vous likez la page de Steve Jobs, j'en ai conclu que vous aimiez la réussite et que vous aviez envie de faire du business en ligne. Allô Fabio était perplexe. C'était qui Une prospecte que j'essayais de closer pour lui vendre la même formation que j'ai achetée. Oh mon Dieu Annabella, pose ce téléphone immédiatement. Pose-le. Annabella s'exécuta. Tu es tombé dans un système pyramidal de Ponzi. Oh non. Pardon. <laughs> oh là là, vous les femmes. Dès qu'on a le dos tourné deux minutes, vous faites des conneries. Hein. Fais chier. Il te reste des sous Non, j'ai tout dépensé pour acheter la formation. Oh la débile Oh la débile Oh la débile <laughs> Pardon mon bébounosaure. Bébounosaure. <laughs> C'est vrai, papa, pas Bon, écoute, on a trois mois pour que tu trouves de quoi euh, nous payer des fringues à k chacun. Moi, je ne vais pas pouvoir travailler quand je suis un peu fatigué en ce moment. C'est normal, mon Fabio, faut que tu te reposes. Ouais, ouais, hein, c'est bon. J'ai vu un truc qui peut rapporter très gros sur TikTok les lives NPC. Tu as juste à dire des trucs en fonction de ce que les gens donnent et c'est tout. Yes, yes, yes. Ah, euh, ok, je dois faire ça quand Tu peux commencer maintenant et faire ça pendant 8 heures. Yes, 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 yes. <laughs> tu peux commencer maintenant et faire ça pendant 8 heures, 10 heures par jour. Ne t'inquiète pas, pour les cours, je te filerai mes notes. Je gérerai aussi l'argent pour que tu... Je... Oula Je, Je gérerai, gérerai aussi l'argent que tu génères pour que tu n'aies pas à te, soucier... pour que tu à te soucier de rien. Ah, C'est le mec de <laughs> mon Merci mon chéri, tu es le plus fort. Ouais ouais allez, va sur TikTok et lance ton live. D'ailleurs on va compléter le dispositif. Tu vas également créer un compte OnlyFans. Mmh, so good. Et on postera des vidéos de toi qui te met des trucs dans les fesses pour faire encore plus de fric. Tout ce que tu veux mon chéri, tant que tu m'aimes et que tu es fier de moi. Moi, je, moi, wow. Mais je croyais que ça a te dégoûtait les trucs dans les fesses. Mais non, mais là rien à voir. C'est de l'art. <laughs> je file. Je vais au 8 à 8 acheter des trucs fun à te mettre dans le cul pour alimenter ton OnlyFans. fans. Fabio fans. <laughs> sortit de, de l'appartement. Annabella ne l'avait jamais vu aussi enthousiaste. Elle s'assit sur le canapé et lança TikTok. <laughs> yes yes yes. Je prends un mouchoir. So oh oui. Oh ouais, ouais, ouais. Pardon. <laughs> Quand Fabio revint des cours, il assista à un spectacle pathétique dans son salon. Annabella seule devant son téléphone en train de faire un live NPC. Une mmh, glace délicieuse Mmm glace délicieuse hi Je suis une co-girl Miam 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 le donut Une mmh, glace délicieuse Merci pour cette magnifique rose Mmm glace délicieuse Fabio buga C'est génial C'est génial <laughs> C'est vraiment... Bon, en plus, t'avais déjà fait ça. J'avais déjà fait cette blague, oui. là, oui. Mais non, mais lui, il écrit trop bien, lui Attends. Annabella, tu es sérieuse <laughs> Tu n'as pas marre de nous faire perdre de l'argent Fais-le en anglais immédiatement. Sinon, tu te coupes de tous les incels... Euh, euh, les viewers internationaux. Pardon, mon cœur, dit-elle du coin... Non. Pardon, mon cœur, dit-elle du coin d'élève pour ne pas sortir trop de son personnage. Comment on dit glace en anglais mm, ice so good. <laughs> Oh, le timing Comment on dit glace <laughs> en anglais, déjà Ice cream. Ice cream so good. Ice cream, idiote. Ice cream. Ice cream so good. Pourquoi ice cream T'es con, quoi. <laughs> voilà, bon, tu fais ça pendant trois heures. Après, on ira shooter pour ton only fans. Je me suis fait plaisir à la superette. Hein. J'ai acheté un rouleau de pâtes feuilletées, une boîte de conserve de cassoulet, des chips saveur poulet braisé et une bouteille de Chianti. On va se régaler ce soir. Mais non Ça, c'est pour te mettre dans le cul. Ce soir, on mange des pâtes sans sauce. Allez, bosse bien, je vais me, bran euh, me branler, euh, me reposer, je vais me reposer dans ma chambre. Fabio alla s'installer dans sa chambre, referma la porte derrière lui et tapa couple marié qui fait l'amour, sexe banni, procréation sur www.xhamster.com Faites-le, <laughs> faites faites-le, faites-le, faites-le. <laughs> Trois heures plus tard, il sortit de la chambre et alla voir où en était Annabella. Alors Combien 600 euros, mon chéri, ça m'a épuisé, mais ça valait le coup. Ouais, pas mal. Va alimenter ton OnlyFans maintenant. Et pense bien à répondre aux demandes des médias privés et à faire du dick rating. C'est ça qui rapporte le plus. Je vais à la fac, moi. À toutes. Annabella se retrouva seule à l'appartement. Elle se connectait à son compte OnlyFans. Yeah, Elle n'avait encore pas beaucoup d'abonnés, mais avait déjà reçu quelques messages de gens qui venaient de son live TikTok. Elle oh. répondait à un certain Lucas Gottfried Liechtenstein qui lui avait écrit ceci. Bonjour Annabella. Je vous ai vu en live NPC sur TikTok. C'est moi qui vous ai acheté la TikTok Galaxy. Le plus cher des cadeaux de la boutique. Je suis éperdument amoureux de vous. Est-ce que vous accepteriez de noter mon pénis Voici la photo. Annabella ouvrit la pièce jointe. La verge était magnifique. Elle eut même une sensation de déjà vu mais une bite restait une bite. Elle lui attribua <laughs> la note de 9 sur 10 et ajouta ce commentaire personnalisé. Belle queue Bravo Puis elle enchaîna sur le pénis suivant. <laughs> Indria, fait ça. Ah ouais Oui. Elle fait du decorating. Envoyez votre bite à Indria. Tu lui envoyais Non. Mais non, mais je pas. Non, mais va. non, mais pas quelqu'un pas enfin, que je connais. C'est trop ouais, bizarre. Vrai, bizarre. <laughs> je pas, non. Grâce, à ses, grâce à ses activités, Annabella gagnait en moyenne 2000 euros par jour. Après deux mois et trois semaines, elle avait généré 45 000 euros, dont 35 000 euros du mystérieux Lucas Gottfried Liechtenstein. C'est un peu. Euh, Lucas mais Lucas Gottfried Liechtenstein. C'est Zank C'est <laughs> pas Zank. Oui, c'est un peu Zank. <laughs> mais mais c'est pas Zank. C'est euh, pour moi. C'est Gontran. Non, c'est pas Gontran Leclerc. C'est. Euh, c'est euh, l'autre des PDG, le PDG de Auchan. Mais il est mort, une balle dans la tête. Mais non, c'est pas le PDG de Auchan qui est dans la tête, c'est le mec. Ah non, qui... le vieux Oui, le vieux. Moi, je ah. pense que c'est lui, Lichtenstein. Ah oui, t'as raison. <laughs> Lichtenstein, la l'Insteinstein. Fiat oui, l'a déjà vu C'est pour ça. À mon avis, mmh. c'est une histoire comme ça. Donc, à lui tout seul. Tous les matins, ce dernier payait pour qu'Annabella lui note son pénis. Elle lui donna tous les jours la note de 9 sur 20. Bah, ouais. bah non, 9 sur 10, je pense. Il s'est trompé. Oui. oui il s'est trompé. 900... Il s'est trompé. <laughs> <s 'est> <laughs> Mais c'est quand même de varier les commentaires. Après tout, il l'a 900 euros pour des oh Par pardon. Lucas, L. Godric. G. G. Gontran, Gontran Leclerc. Leclerc. Ah oui C'est les initiales. Ah, non, bah, donc... Gontran Leclerc. Ah, donc du coup c'est Gontran Leclerc. Là c'est Gontran Leclerc de coup, t'as raison. Putain, tout est lié, ils ont clé. Je lis vite, tu gères trop belle ce matin. Sympa ton zob, merci. Je vais te dire ça tous les jours. Ah oh, dis-moi, sympa ton zob, merci. Oui. oui. En revanche, malgré les sommes confortables d'argent qu'elle générait, elle n'était pas spécialement épanouie, d'autant plus que Fabio lui interdisait de sortir. Elle n'avait droit à des pauses pour manger hein. et faire caca. Hum, manger et faire caca. Comme un chien. Ce soir-là, Fabio rentra vers 21h après les cours. T'as rapporté combien aujourd'hui, euh, Annabella 1800 euros. J'en peux plus de faire ça, Fabio. Je peux arrêter. On a largement de quoi se payer nos tenues pour le bal. Annabella, il faut qu'on parle. Oui, mon amour de ma vie, Fabio. Je te quitte. Je te trouve dénué d'intérêt. Fade, lisse. Même une truite a plus de vivacité dans le regard que toi. Tu pue la merde comme meuf, Annabella. Wow. Tu pues la merde. Annabella <laughs> ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Puis elle eut une idée, elle se dirigea vers le calendrier qui était sur le frigo et vit qu'on était le 1er avril. Mais mon Fabio, tu m'as fait peur C'est un poisson d'avril, j'ai compris <laughs> Malheureusement c'est une coïncidence. Je pensais tout ce que je t'ai dit. Tu es une coquille vide, je me tire. Bonne continuation. Il sortit en vitesse et claqua la porte derrière lui. Anabella <laughs> fondit en larmes. Ça... Ah 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 elle a vu un autre Stella, ou quoi So cute oui, nous, on était cute ah, t'as oui. dit que t'allais noter ma bite. Arrête de respirer fort. Attends, écoutez ça. Mais gros, mais là, tu sens le micro. Elle a un peu rouvronné. Ah bon mmh. Elle a fait... Elle était mouillée, quoi. Ouais, a... c'est ça Ouais. Chapitre 5 Panique à bord Panique à bord, le fun la vitesse d'abord Ah bon, ah bon Panique à bord C'est les rats, c'est les rats, ils, ils sont baissent des Yo, 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 je suis le rap qui fait, fait du, du rap pie. Le rap qui fait du rap, voilà. le rap Ça qui fait, fait du rap sinon hein mmh. Annabella passa trois jours à pleurer, la tristesse lui avait tellement coupé l'appétit qu'elle n'avait rien mangé pendant tout ce temps quand la faim commençait à se faire sentir, Annabella sortait, sortit au 8 à 8 pour s'acheter de la nourriture, mais arrivait à la caisse. Est-ce que quelqu'un peut jouer Est-ce que quelqu'un peut jouer une carte Tességré, n'importe laquelle S'il vous plaît, parce que c'est vraiment la phrase. Chut, chut. Pardon. Bah. Désolée. Une carte, une carte de merde. Mais arrivée à la caisse. Vous avez la carte de fidélité. Voilà, c'est exactement le ça. Le goût pour une pluie de GG dans voilà. le chat. C'était vraiment marqué, vous avez la carte de fidélité, donc merci. Merci beaucoup. Non. Vous avez la carte de fidélité. Ah Bravo. Merci, Leclerc. Merci. C'est vraiment marqué, vous avez la carte de fidélité, Justine, c'est pour ça. Non. Ça fera 11,40 euros. Terminal afficha paiement refusé. Ah. Je ne comprends pas. J'ai 45 000 euros sur mon compte, normalement. Ouais, ouais, c'est ça, trace ta route avant que j'appelle la sécurité, ça le clochard de lui envoyer la caissière dans la tronche. Oh. C'est exactement ce que je dis aux gens quand ils ont leur euh, paiement refusé. Tu dis ça, vraiment hein? Ouais. Une fois dehors, Annabella consulta ses comptes depuis son téléphone. Ils étaient tous à zéro. Fabio oh. s'était viré tout uh. l'argent de TikTok et de OnlyFans. Je suis désolée. Pouvez-vous arrêter de honey <laughs> C'est Il est yes. He's like... oui? <laughs> Breathe tranquillement. « So I consider them sick, anyone sick... » Mais gars, yes, elle fait vraiment ça Elle regarde et you elle fait... « oh, Oui Mais, mais tu, tu verrais, des fois on regarde un film !» Elle fait... « Does anyone hear him breathing ?»« I'm sorry for breathing. <laughs> »« I'm sorry for breathing. »« I'm sorry for breathing, ma petite gazou. » Ok. « Oh mon Dieu, non Le bal est demain. Comment vais-je faire ?» genre elle est saoulée, lunettes, c'est ça. Des fois, elle fait ça aussi quand lui parle, elle fait... Le premier réflexe d'Annabella fut d'aller raconter ses mésaventures à ses abonnés e-fans. E Elle fit une publication. Coucou mes loulous, ça va pas fort en ce moment, je me suis faite larguer par mon copain, je me sens si seule. Asdon m'aiderait tellement à aller mieux, je compte sur vous, Xoxo xo, mes amours. Dans l'heure qui suivit, Annabella reçut une centaine d'euros de dons de son petit gang de pervers. Mais il fallait qu'elle se rende à l'évidence, ça ne suffira jamais pour reconstituer un pactole de 10 000 euros d'ici le bal. Elle reçut alors un DM de Lucas Gottfried Lichtenstein. Bah oui, LGL, comme chaque... putain, ouais. alors de leclerc à la raison, putain, je suis trop con. Qui, comme chaque matin, lui envoie une photo de son pénis pour qu'elle le note. Alors, pardon, Alors, tu lui mets combien aujourd'hui à ma queue Annabella sauta sur l'occasion pour lui expliquer son désarroi. Hello Lucas, désolé, mais je n'ai pas trop la tête à noter ta visite aujourd'hui. Je me suis séparée <laughs> de mon amoureux, je suis très triste, et en plus il me manque 9900 euros pour pouvoir aller au bal de mes rêves demain. De quel bal s'agit-il Répondit répondit C'est <laughs> mon bal de fin d'année. Il est financé par quelqu'un que je connais bien, un homme charismatique pour lequel j'ai beaucoup de respect. Merci Annabella pour ces jolis mots. Je viens de jeter. Je te fais un don de 900, 9900 euros. Amuse-toi bien à ce bal. Lucas Gottfried Lichtenstein se déconnecta subitement sans laisser le temps à Annabella de le remercier. Annabella ne comprenait pas ce qui avait pu l'exciter dans ce qu'elle avait dit, mais ce, qui était, mais ce qui fait tout le charme du site en Ifan. des sexualités différentes et complexes, des désirs multiples à assouvir, qu'elle voyait comme des challenges. Annabella transfère l'argent sur son compte courant, la banque postale, et se rendit dans un, <laughs> un magasin de robes de luxe. Un vendeur vint l'accueillir immédiatement. Elle, qui s'habillait d'habitude chez Jennifer, ça lui changeait. Bonjour, mademoiselle. Je pense que vous. Je ne veux pas faire la même voix que l'autre. <laughs> ah, attends. Bonjour, mademoiselle. Attends. La banque postale, oui. La banque postale Bah oui, du hein. quoi, oui. bah oui, Justine, c'est sûr. Puis s'il a dit 10 000 euros lors de contrat Leclerc, c'était pour obliger Annabelle à avoir besoin de ses sous. Oui. C'est un malin, cet enculé. Malin. Bonjour, mademoiselle. Je pense que vous vous trompez d'établissement. Vous êtes sûr que vous ne convoitez pas avec Clodo Robe <laughs> Le vendeur, qui était habillé en barésie, string et crop top, regarda son collègue en pouffant. Bien envoyé, Crystal. J'ai pu le faire une voix comme ça. Mer ah non, non c'est bah, ah son oui. collègue. Bien envoyé, Christelle. Merci, beauté. Je peux les te faire deux comme étaient faire était extrêmement efféminée. Elle oui. était tombée sur des bad bitches de la mode. <rire> Annabella <laughs> n'était pas à sa place. Des bad bitches de la mode. Elle <laughs> n'était pas à sa place dans ce magasin de luxe. Elle qui s'habillait d'habitude avec des robes d'ado gothique. C'est vraiment moi. Oui. Elle décida de ne pas se démonter. Je cherche une robe à 10 000 euros. Vous avez ça Et vous comptez payer comment <laughs> On n'accepte pas les scarifications ici. <laughs> Oui, mais je sais, c'est ça, je, je, je suis d'accord. On n'accepte pas les scarifications. <laughs> ok, on n'accepte pas les scarifications ici, que des black cards ou des espèces. <laughs> got, fou la moi dehors. Un ah, vigile énorme, énorme attrapa Annabella pour l'amener vers la sortie. Ces derniers étaient simplés, mais était néanmoins très sensible au charme d'Annabella. L'immense vigile tenta de s'exprimer. dame trop trop belle, pourquoi vous vouloir être jolie robe les deux vendeurs étaient exaspérés. Oh, Golgant, tu es là pour obéir, oh, espèce d'imbécile. Mais la moi dehors, cette zitane-là, oust On dirait trop le palma Oui <laughs> Dame si belle, moi être amoureux de la dame. Golgant, mmh. je vais appeler le patron et tu retourneras dans ta cage si tu n'obéis pas, crétin. <laughs> Golgant, putain ah non, Golgot Ah non Elle est où, Dan Oui Elle est où, Dan Ah non Golgoth. pas vouloir retourner dans le cage Annabella sentit qu'elle avait une carte à jouer. Golgot, si tu m'aides à trouver une robe, je te oui. libère de ton maître et en plus tu pourras être mon cavalier pour le bal. Je te bien de ton maître Golgot n'en revenait pas. C'est la première fois qu'une fille aussi sexy et volcanique s'intéressait à lui et ne put résister à ce que son cœur et son autre jambe lui dictaient. Il chargea comme un buffle sur les deux vendeurs, les saisit et fracassa leurs crânes l'un contre l'autre, les réduisant en bouillie. Il n'y a bien sûr pas le temps de réagir. Annabella avait le magasin pour elle toute seule. Et elle oh. prit le temps d'essayer quelques modèles et jeta son dévolu sur une robe noire très banale en polyester, mais avec un logo Chanel dont elle, va donc donc. elle valait 10 000 euros. <laughs> une robe banale avec un logo Chanel, effectivement. C'est vraiment du Chanel. Euh, Annabella saute en encaissa pour pouvoir avoir le ticket de caisse et sortir bah du oui. magasin avec Golgot. Ce dernier était tout fier de se promener dans la rue au bras d'une fille aussi bonne. Tout le monde regardait ce couple atypique avec étonnement. Golgot était si laid que certains passants, pris de pitié, lui offraient de la pâtée pour chien pour le nourrir. Annabella, <laughs> qui crevait la dalle également, ne se priva pas et mangea une partie de la pâtée. <laughs> Elle voulait avoir des forces pour le bal. Le soir venu, elle rentra chez elle avec Golgoth, Elle le fit dormir sur le canapé, même si, bien sûr, une fois dans son lit, elle s'endormit en se demandant quelle taille pouvait faire le membre d'un homme aussi gigantesque. Bah. Puis elle repensa à son visage et se dit que même une énorme dalleuse comme elle ne pourrait jamais coucher avec une telle monstruosité de la nature. Pauvre Golgoth, lui qui avait le cœur sur la main, il ne connaîtrait probablement jamais le plaisir de la chair. Oh. La nuit se passa sans encombre, le lendemain, c'était le grand jour. Annabella ne pensa qu'au bal toute la journée. Le soir venu, elle enfila sa robe Chanel, se maquilla et accompagnée de Golgoth, son cavalier, se rendit au bal. Oh, Golgoth, Golgoth, l'aime déjà. Voici Chapitre 6, le grand bal des produits frais. Oh, je crois que c'est le dernier chapitre. Mmh, ouais. Oh, j'ai peur Annabella et Goldgott arrivèrent <laughs> devant une immense, un immense château luxueux devant l'entrée. et Il y avait une banderole le grand bal des produits frais by Lord. Montrant le -clair. tous les étudiants de la fac de genre faisaient la queue pour passer le checkpoint. Des vigiles vérifiaient un par un. Pardon, ailleurs, je suis désolé. Un par un que tout le monde portait bien des tenues à 10 000 euros. Quand ce fut le tour d'Annabella, le vigile la regarda de haut en bas. Très très bonne, euh, pardon. <laughs> très très bonne, mademoiselle. Vous me filez la gaule. C'est bon pour moi, allez-y, par contre, le monstre qui est à côté de vous, c'est Dead. Annabella, obsédée par sa propre tenue, n'avait pas du tout pensé que Golgoth, lui, avait lui aussi besoin d'un smoking pour entrer. Ah. Je suis désolée Golgoth. tu ne pourras pas m'accompagner au bal, mais je penserai fort à toi. Golgoth triste, Golgoth amoureux d'Annabella. Annabella trop belle. Golgot déteste Vigile. À peine eut-il émis le premier signe d'énervement, une équipe de 20 hommes de, sécu... 20 hommes de sécurité débarqua avec des tasers et des fléchettes de tranquillisant. <laughs> il mirent Golgot dans une cage comme le raptor au début de Jurassic Park. Il tenta de se débattre mais ils étaient trop nombreux. Annabella oh. avait de la peine pour lui. Pauvre Golgot, qu'est-ce qu'ils vont faire de lui euh, C'est qui qui parle Pff, Ouais, ils vont, la... ils vont euthanasier la pauvre bête à l'abri de regard. C'est la procédure. Nous avons reçu des consignes de sécurité très strictes pour ce bal. Par contre, vous n'avez plus de cavalier. Je ne peux pas vous laisser malgré... rentrer malgré votre robe qui me donne une furieuse envie de vous bouffer le fion. Annabella retenta de négocier avec le vigile, mais rien n'y fit. Les autres étudiants qui faisaient la queue commençaient à s'impatienter et voulaient rentrer. Soudain, Brad Pitt sortit de l'intérieur du château et fit signe au vendeur de faire rentrer Annabella. Il s'exécuta sur le champ. C'est eux C'est la scène de de Babylone. Ah oui. Il sort du château de la fête et il fait rentrer la. C'est vrai, c'est La scène de Babylone. <laughs> c'est Brad Pitt qui fait ça. Avant c'était Godzilla. Euh, non, ah, je non, non, je sais pas. Non. Oui, mais non, c'est surtout euh, merde euh, le gorille. À ah, King Kong. C'est King oui, Kong. Oui, oui, c'est ça. King Kong, King Babylone. Babylone oh J'insiste pas. Je pas. Quelle culture d'abord. Oh, ben, ben, bon. Vas-y. Annabella, elle a rejoint Brad Pitt pour le remercier. Merci beaucoup monsieur Pitt. Sans <laughs> vous, je n'aurais jamais passé la soirée. De... J'aurais, je... hein pardon. Sans vous, j'aurais sûrement passé la soirée dehors. M monsieur Pitt. <laughs> Voyez, on a bien moi, Lord Gontran Leclerc. C'est juste que je me suis fait faire une greffe de visage quand j'étais vraiment trop moche avec ma face toute brûlée à l'acide l'année dernière. Je voulais être beau ce soir. Mais pourquoi avoir choisi la tête de Brad Pitt Je me disais aussi que le modèle que j'avais choisi me disait quelque chose. <laughs> Annabella le dévorait du regard. Si elle avait pu baisser son pantalon sur le champ pour lui faire une gâterie, elle ne se serait pas gênée. Annabella fut tirée de ses rêveries par une femme magnifique qui s'incrusta dans la conversation. Bonsoir. Bonsoir, bon, hein. Bonsoir, Patricia Demon. Ça se prononce Damon. À qui ai-je l'honneur C'est la femme de Lord Montrand. Oui. Oh. Lord montrant le clerc bégaya, comme un nouveau-né à qui on fait goûter pour la première fois du jus de citron pur. Et... <laughs> Patricia, voici Annabella. C'est une ordinante de la fac de genre. Bonjour Madame Limon, vous êtes splendide. Merci Annabella. En revanche, j'aimerais que tu ne t'approches plus jamais de mon mari. Il est à moi. Tu m'entends À moi. Viens Gontran, on va te délirer. Ah au... <laughs> oui, on va te délirer au photocol. Photocol. Oui ma reine, à vos ordres. C'est la première fois qu'Annabella voyait Lord Montrant- Leclerc aussi soumis. Elle ne savait qu'en qu penser. Elle l'avait mis sur un piédestal de virilité, mais ce petit côté vulnérable titillait son imagination. Elle s'imaginait déjà en, do en domina en train de lui faire fondre de la cire de bougie sur les tétons. Elle fut interrompue dans sa rêverie par Fabio. Lord Montrant et Patricia Dimon étaient partis. Comment as tu réussi à rentrer en te procurant une robe, Annabella? dit Fabio sur un ton très agressif. Qu'est ce que ça peut te faire? Tu m'as quitté sans respect, Fabio. Je ne te dois je ne te dois plus rien. Tu n'es pas triste qu'on ne soit plus ensemble. J'ai été triste, mais j'ai relativisé maintenant. La vie doit continuer. Fabio à le point. Ma vengeance tombe à l'eau. Ta vengeance De quoi parles-tu, Fabio Euh, quoi J'ai parlé tout haut. Merde, 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 Tu ne feras pas foirer la suite de mon plan, espèce de garce. On sait qui c'est. Je sais qui c'est, putain. C'est pour ça qu'il s'appelle Fabio, ce con. Putain. Annabella ne comprenait pas pourquoi Fabio agissait de la sorte. Fabio se mit à transpirer et partit en courant. Bizarre. Bizarre. La soirée battait son plein. Les étudiants... <laughs> j'ai tourné la C'est drôle. Maintenant, j'ai tourné la page et la page se tourne. C'est drôle. Et c'est un livre ou quoi, là de toute façon, elle, que tu lis dans nous, dans nous comme dans un livre ouvert. C'est vrai, comme dans mon cul ouvert. D'ailleurs, t'as pensé pour euh, le cinéma ce soir Parce qu'il faut qu'on prenne un peu d'argent en cash, mais moi je n'ai que des livres. <laughs> L'ambiance <laughs> était très très chaude. Lord Montrant avait pensé à tout des stands avec alcool à volonté, des stands traiteurs avec des petits fours faits exclusivement à base de produits frais de la marque Leclerc, et aussi des coins baises dans des petites <laughs> alcoves à la lumière tamisée. Annabella aimait bien mater les autres étudiants qui faisaient l'amour dans les coins baises. Au fil de ces déambulations, dans cette soirée de débauche, elle tomba sur Stephen, le président du PDE qui était en train de forniquer avec Manuel Louis. Ce dernier beuglait. mon Ah non, attends. crime genre. Un crime genre, cri cri salopard de Stephen. C'est tout ce que t'as Vous les six. C'est que de la parlotte, mais quand il faut bien déglinguer son professeur principal, il n'y a plus personne, hein le, pro le pauvre Stéphane n'avait, semble-t-il paralysé dans quoi il s'embarquait en couchant avec Manuel Louis-Rodriguez bourré. Il donnait quand même tout ce qu'il avait. Annabella se tripotait devant ce spectacle d'une violence extrême. Les coups de... Les coups de reins. Les coups de reins de Stéphane étaient rythmés par No Stress de Laurent Wolf. <rire> <rire> Manuel Louis repéra Annabella qui matait. Oh, Annabella. Plus... c'est pardon. Oh, Annabella, tu n'es plus sur le dance floor tu veux venir me faire un lingus si tu veux, hein Il reste une place libre dans ma boîte à caca. Non merci, mademoiselle Louis-Rodriguez, mais c'est très aimable de me proposer. À cet instant, Lord Montrand Leclerc vint la prendre par le bras et l'emmena dans un coin sombre, oh. à l'abri des regards. Annabella. Je n'en peux plus. Ma femme Patricia, elle est trop casse-couille. Voyons, Lord Montrand, ça peut arriver les désaccords après plusieurs années de mariage. Il faut dialoguer. La communication, c'est la clé. J'ai tout essayé, rien n'a marché. Ça me fait peur. Physiquement Oui, physiquement. Lord Gontran tremblait en parlant ouais. à Annabella qui avait, qui avait, de la peine pour le stress Oh oui, il faut m'en donner un gus, oh Anabela. Un peu cher. Oh oui, mon... crime un genre. Crime un genre. Non, non, non. Mon dieu. <laughs> C'est quand bon. la musique s'est déclenchée, j'ai rien compris, moi. Mais tu m'étonnes. Donc, oui, physiquement, c'était quoi Ouais, pardon. Elle Donc, avait de la peine quoi <laughs> Pour le pauvre homme. Et en même temps, elle ne pouvait s'empêcher de trouver ça très, très sexy, un homme vulnérable. Lord Gontran, vous avez des super pouvoirs, vous ne risquez rien. Justement, elle aussi. Elle m'a tanné pour que je lui donne un poste dans un de mes supermarchés. J'ai fini par accepter. Depuis, elle est, de... Depuis, pardon, elle est devenue très puissante. Je veux divorcer, d'abela et je veux qu'on se mette ensemble. Je vous aime depuis le premier jour où je vous ai rencontré. Je n'oublierai jamais ce petit string que vous portiez. Et vos Ah, dans ce petit corset, j'en rêve la nuit. Il m'arrive souvent de ne pas réussir à m'endormir car je repense au jour de notre rencontre et ça me file un, bu un barreau massif. Ça arrive aussi que Patricia se réveille à ce moment-là et que me demande :« C'est quoi ce chapiteau montrant On est au cirque Pinder ou quoi ?» Et que je suis obligé de mendier, de mentir et de lui dire que je pensais à elle. C'était moi. Lucas Gottfried Lichtenstein sur OnlyFans. Annabella réalisa que les initiales de Lucas Gottfried. Annabella, GPs... c'est Justine. Oui, LGL étaient les mêmes que celles de Lord Gontran Leclerc. Elle n'en revenait pas. Cette révélation soudaine, elle l'avait attendue. Elle l'avait attendue depuis toujours. Putain, Lord Gontran, je vous aime aussi. J'ai très envie de vous. Là, maintenant, tout de suite. Prenez-moi dans ce couloir. Comment ça, prenez-moi dans ce couloir Ça ne veut rien dire, Annabella. Pardon. Mais si, ma femme. Passe, aucun élève nous voit. dit Lord Gontran, craintif, tout en baissant sa braguette, laissant apparaître son sexe majestueux. Annabella remarqua que Lord Gontran portait une sorte d'anneau pénien doré. C'était original, mais ça lui allait drôlement bien. Eh bien, on n'aura qu'à dire que. Annabella n'eut pas le temps de finir sa phrase, elle fut interrompue par Patricia Dimon qui passait par là. Gontran, qu'est-ce que tu fais Il est pas bon, couscous Ce n'est pas ce que tu crois, chérie. Annabella chuchota à Lord Gontran. C'est peut-être à moi peut le de lui dire que vous voulez divorcer. Soyez un homme. Alors, Gontran, suez à grosses gouttes. En fait, cette petite maladroite Danabella, m'a renversé son verre de punch, de punch sur la caquette. J'ai dû la sortir pour la faire lécher. Sécher, fait. rien de plus. Ce sont des choses qui arrivent dans des grosses soirées. Je n'en crois pas un mot, Gontran. Tu es attiré vers cette poufiasse goût, gothique. boutique. <laughs> cette poufiasse <de> boutique <laughs> une de magasin. Tu vas aller la secouer. Tu vas payer. Après, Patricia jeta les bras et de la sauce soja coup, salée. Après. Après, après, Patrice. Juste après. <laughs> soja salée sortie de soja sa bouche. Soja salée. <laughs> soja salée. Mais ta gueule. <laughs> Ça suffit, Gontran. Hein. Excusez-moi. Et de la sauce soja salée sortie de sa bouche. Un jet oh. puissant comme du karcher qui propulsa l'ordre Gontran contre <laughs> le mur. Annabella invoqua 50 sachets de brocolis surgelés pile au-dessus de Patricia Damon pour qu'il lui tombe dessus la somme, mais elle les esquiva avec aise. Les étudiants qui assistaient, form... hein qui assistaient à la scène et formèrent un cercle autour d'eux, fa ça faisait comme une sorte de ring humain. Tout le monde croyait que c'était un happening. Mais sa phrase est tellement mal écrite. Ouais. <laughs> L'ordre Gontran était inconscient. Le combat oh. entre Annabella et Patricia Damon dura des plombes. Il était 4 heures du mat', l'affrontement entre les deux femmes, pour savoir qui aurait, leur montrant Leclerc, se poursuivait. Nicolas de Saint-Germain-la-Tour, qui observait la scène, prit sa, ca... sa cavalière par le bras. <laughs> T'as roté mm. <laughs> On bouge, non Je suis claqué. Hein. Pareil. Hein. Bonne soirée tout le monde, on y va. On... Puis il partit dans l'indifférence générale. Depuis qu'il s'était fait congé une crotte au cul au week-end d'un thé, plus personne ne le respectait. <laughs> deux minutes plus tard, le combat s'acheva. Annabella réussit à trancher la tête de Patricia Deben avec un filet de dorade rades C'était fini. Tous les étudiants oh. de la fac du genre applaudirent. Annabella se jeta sur l'ordre Gontran. Tout va bien, mon amour. J'ai gagné. Elle ne, te wow. Elle ne te terrorisera plus jamais, cette sorcière. Nous wow. allons pouvoir nous aimer et baiser en paix jusqu'à la fin des temps. Laurent Wolf part... bah ça... Waouh! Laurent Waouh Ça m'excite. <les> <laughs> j'en peux plus de, de lire. Mais doucement, mais t'as oui. quand laissé lire. Oui, c'est vrai. Laurent Woff passa une version piano-voix de Stress. Justine Justine, une version piano-voix, pour accompagner ce moment d'émotion intense. Tous les élèves dansèrent un slow sur la piste de danse. Lord Gontran se releva et invita Nabella à danser. C'était féerique, tout le monde trouvait la soirée incroyable. Bah oui, parce que là, du coup, elle a tué la femme de Gontran, du coup, Gontran est veuf, Gontran a pouvoir, du coup, non pas sortir, non pas épouser Namela, mais la baiser. Oui, notamment. J'attends la version de au piano. Et après, on aura le chapitre 7, un léger imprévu, et c'est la fin. Un léger imprévu. Et après, il y a un autre tome, vous inquiétez pas, il y aura un autre stream un jour pour la suite de cette histoire folle Je veux que par contre, il en écrive d'autres. Ah oui, c'est intéressant. Surtout que ça lui fait des thunes. Bah un peu, ouais. Ouais, je pense. Bon, on n'aura pas de version. Non, non, pas la, la fin. Trop drôle, l'ouniac. On la trouve pas. Continue. Elle, elle... va être jamais ici. Mais non, elle va trouver et ça va nous énerver ça va être en plein milieu de ça. C'est pas grave. D'accord. Chapitre 7. Un léger imprévu. J'ai cru. Oui. <rire> <rire> oui, et alors Qu'est-ce qu'il va faire <laughs> J'ai mon masque. Adam et Lord Gontran s'embrassaient avec la langue sur le dance floor. <laughs> euh... Ce coquin de PDG ne pouvait pas s'empêcher de lui toucher les fesses et de remonter sa robe pour voir un peu son string. Les élèves enviaient Annabella. Soudain, un coup de feu retentit et la tête de Laurent Wolf... Oh non. Explosa comme un ballon de baudruche. Oh non Pourquoi ils ont tué Laurent Wolf Pourquoi ils ont fait ça okay. le pauvre. Son cadavre bascula par-dessus ses platines et s'écrasa sur le dance floor. Oh. 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 La tête de Fabio émergea derrière le table de mix. Le table. Le table de mix. Maintenant, tout le monde la ferme et vous allez m'écouter très attentivement. Il enleva sa chemise. Dessous, il y avait une ceinture d'explosifs. J'ai foutu des bombes partout dans ce putain de château. Je vois une personne qui tente de sortir. Tout explose. Si je meurs, tout explose. Annabella, on va discuter, toi et moi. Mais qu'est-ce que tu veux, Fabio Qu'est-ce que je t'ai fait <laughs> Tu n'as toujours pas compris. Pauvre cruche <laughs> nymphomane, je t'ai brisé le cœur pour venger mon frère. <laughs> je t'ai brisé. Oui, je t'ai brisé le cœur. Je t'ai brisé. Il manque un i. Le cœur pour venger mon frère Claudio. À ah, son frère. Ah non Oh c'est génial. Attends, 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 attends c'est génial. Attends. Ah putain, le fameux. <laughs> tu n'as toujours pas compris, pauvre cruche nymphomane. Écoute-moi. Écoute ok. Ce twist. <laughs> tu n'as toujours pas compris, pauvre cruche nymphomane. Je t'ai brisé le cœur pour venger mon frère Claudio. On dit, je t'ai brisé le cœur, Fabio. <laughs> Ta gueule salope, c'est l'émotion qui parle. Et comme ton chagrin n'a ton duré que trop peu de temps et que tu dois souffrir, souffrir plus, je vais maintenant tuer celui que tu aimes tant. Venez me rejoindre dans la cabine de mixage, Lord Gontran. Lord Gontran, affaibli, tenta une négociation. Écoutez, Fabio, je comprends votre tristesse. C'est terrible de perdre un frère. Mais ce n'est pas nous qui l'avons tué, c'est l'inspecteur Stéphane. C'est vrai ça. Vous étiez ses complices. D'ailleurs, je suis vengé aussi de lui. Il est mort S'écria Annabella. Annabella. <laughs> non, mais je lui ai brisé le cœur. Après être sorti six mois avec lui, il m'aimait tellement. Vous auriez vu ça. Il pleure encore au moment où on se parle. Monstre Je t'ai trop entendu jacasser avec ta voix de crécelle, Annabella. C'est vrai en plus. Toi là, <laughs> enlève ta chemise et baïonne là. L'étudiant désigné s'insurgea. Quoi Mais c'est une chemise Versace Ça va pas, c'est David Lafarge. Mmh. Ça va pas Je vais pas mettre de la bave dessus, c'est dégueu Fabio lui tira une balle dans la tête avant d'enchaîner. Manuel, lui, enlevez votre boulet SM de la bouche et mettez-le là sur Annabella. Et enlevez ces capotes de vos deux pénis dégoûtants. Manuel, lui, s'exécuta. Madame Annabella ne pouvait plus parler. <laughs> Fabio s'approcha d'elle. Si j'ai un truc, je peux. Mais... Vas-y, bah, sortez sextoy, c'est une bonne idée. <laughs> euh, Fabio s'approcha d'elle et pointa son flingue sur sa tempe. <laughs> voilà ce qu'il en coûte de se prendre à la famille Salsa. Moi, Fabio Salsa, je vais enfin venger mon frère Claudio Salsa. Je vais compter jusqu'à trois et je tabac comme la grosse truie tuée. <gasps> Personne dans l'assemblée n'osait moufter comme Fabio était armé. Un. Mais là, Excuse-moi, je sais pas pourquoi, je veux lire à chaque Salsa, fois. ça oui. Oui. <laughs> Il s'appelle Sauce, le mec. 1. Annabella tenta de réfléchir aussi vite que possible pour se sortir de cette situation délicate. 2. Elle eut une idée. Elle se rappela de l'harmonica que lui avait donné oui. Stéphane. Elle disait qu'en cas de nécessité absolue, elle le sortit discrètement de sa poche. Seul problème, elle ne pouvait pas souffler dedans bah, oui. comme elle était baïonnée. Bah oui, elle soufflait avec son nez au pire. Non, elle va souffler, je pensais que ça chatte, bébé. Ah oui. Elle décida de tenter le tout pour le tout. Elle péta dans l'harmonica. <laughs> elle péta dans l'harmonica. Deux et demi. Dans la foule, un homme en capuche noire en mode Assassin's Creed s'avança directement avec un couteau et se glissa derrière Fabio. Deux, trois, L'homme lui trancha la gorge d'un geste fluide, d'une main, chut tout, dé... tout en débrancha. Tout en débranchant, j'imagine. Le fil du détonateur ah. des bombes de l'autre main. Un vrai professionnel. Fabio tomba par terre comme une crotte. Adabella enleva sa boule de la bouche. Oh. Qui êtes-vous, bel homme en noir Je n'ai pas de nom. Je fais partie de la guilde des assassins, du puissant BDE, de la fac de genre. Je ne fais que répondre à l'appel. Adieu L'homme en noir repartit. C'était Norman, Norman, je pense. C'était Norman. Je viens une vie d'assassin. Je fais des trucs un peu malsains. Comme des MD mineurs. Je suis Norman. Tavo. J. J! Il y a encore un chapitre? Ouais. Chapitre 8, épilogue. épilogue. Ça y est, est fini, Les étudiants, épuisés par cette soirée rocambolesque, non rentrèrent également tous chez eux. Dans le grand château privatisé, il ne restait plus qu'Annabella et Lord Gontran Leclerc, ah, plus communément appelé LGL. <laughs> eh bien, sacrée soirée, dit Non! non. <laughs> Je l'ai fait exprès. Eh ben, sacrée histoire! <laughs> En plus, c'est l'histoire. Ta gueule <rire> <rire> dit Annabella. C'est clair, Annabella. Tout à l'heure, quand nous avons été interrompus. Euh, ah oui, pardon, j'allais vous sucer. Je m'y mets, Lord Gontran. <laughs> elle s'attacha les cheveux et se mit à genoux. Elle vit de plus près l'anneau doré de Lord Gontran et constata avec stupeur que ce n'était pas un anneau pénien. Elle regarda Lord Gontran dans les yeux. Celui-ci lui sourit. Annabella, veux-tu. Oh, pitié. Et comment il a fait <laughs> Annabella, veux-tu être ma femme L'anneau était en fait une bague de fiançailles. <laughs> Annabella versa une larme. Oui, je le veux, plus que tout le monde. Elle le suça en enfonçant son sgeg tout au fond de sa gorge, jusqu'à vomir. Bah tiens, délire Fin <laughs> Incroyable Merci à... merci à Amazon, Amazon Publishing, Publishing, mon oui. éditeur qui croit en moi plus que jamais. Merci à vous, mes fidèles lecteurs et probablement un peu pervers. Oui. Merci à Maëlle, la boss, pour sa relecture scrupuleuse. Go euh, la follow sur X en urgence. Billy Megaboy. Son compte est 100% Alexandra Chevalier approved. <laughs> Parfait. Dis-moi que pour le prochain tome, il décrivent merci Sarah gray pour sa lecture. J'avoue. Et par contre, pourquoi il y a deux fois les trucs Rien, bah, je sais pas. Tout est drôle. Printed in France by Amazon. <laughs> Incroyable. Je suis morte, c'est du génie. C'est le, le meilleur écrivain de QI qui existe au monde. Ouais. J'ai hâte de lire le dernier thème, ce sera une dinguerie. Vous qu'on vous lise la quatrième de couverture Ah oui, on va lire la quatrième derniers. de couverture du dernier. Elle a raison, Lita. Et par contre, du coup, euh, j'espère qu'il en fera d'autres après aussi. Hein, parce que Ça moi, je beau. veux des histoires, de plus savoir qu'on foutre. Je suis devenu accro, là. Ah, mais oui, mais c'est trop bien. Donc. La quatrième Salut de... Slotico, comment tu vas, mon bébé ou... Le dernier, c'est du coup. Pas celui-là. <laughs> C'était une celui <laughs> ça, oui. C'est du coup. Pas celui-là. Je ne sais pas où il, je vais il faire est. faire des bonjours. Yes. Dis bonjour, Yazou. Elle est là. Bonjour, je suis Yazoo. Je suis mignonne. Le dernier, c'est euh, l'une de miel synthétique. Oh, oh, synthétique. Synthétique. Que ça peut être J'ai adoré, en tout cas, le délire. De... Oh, bah, attends, on va en parler après, excuse-moi. Annabella est aux anges. Elle va enfin se marier avec... le oiseau, ouais. Vous entendu, oiseau Oui. Vous l'avez entendu, le oiseau Oui. Donc, de ça, fait, fait, était, ça veut ça. dire qu'il était sur un des globes pour l'entendre aussi fort. Hein. Donc, Annabella est aux anges. Elle va enfin se marier avec Lord Gontran Leclerc, l'homme qu'elle a toujours aimé. Mais dans le monde du business, rien n'est jamais simple. Et on ne devient vrai. pas PDG d'un empire de la grande distribution sans se faire quelques ennemis. Ah bah ça. Quand Lord Gontran disparaît subitement après une nuit de sexe intense, la lune de miel d'Annabella va vite tourner au cauchemar. Oh là 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 la lune de miel! J'aime bien. Alors, je tiens à dire que le tome 3 qu'on a lu là, là c'était mon préféré. Ouais, moi aussi. Parce que mmh. tout le truc autour du genre, ouais, c'était trop drôle. drôle. Et euh, surtout le, le fait truc fait qu de... qu'elle qu qu retourne à la fac et tout, c'est bien aussi. Ouais, c'est marrant aussi. Euh, je trouve plus drôle que les autres. Ouais, non, en vrai. fait, il est écrit plus drôle et... Euh, les trucs de hélicoptères de combat, les trucs comme ça, ça me fait trop rire. Gros. Mmh. Il, il est tout dans les trucs comme ça. En plus, il a intégré l'histoire des formations, euh, oui. et les trucs pyramidales qui est pourquoi il est connu sur YouTube. Oui. Parce que, d'abord, il fait des vidéos sur euh, il, euh, démonte il, démonte, ouais, il démonte les gens qui font des formations et trucs comme ça. Bon, en sachant qu'en plus les livres, le premier tome a été écrit euh, grâce à une formation qu'il a achetée pour apprendre à devenir écrivain. Oui. Donc, YRL, euh, quoi. Donc c'est drôle, en fait. tu écris un livre en une semaine. Donc tout, tout est très drôle et euh, j'ai bien aimé. je la télé s'est sentie saute. Regarde. Regarde non, parce qu'il y a des sauts de connexion. Ah des fois, elle est de mauvaise qualité. Ah oui. Est-ce que vous avez la, la caméra qui saute des fois Est-ce que ça le fait chez vous C'est possible que le hub USB ait du mal si j'ai branché sur un hub. J'ai arrêté la fin. Mais il y aura la rediff, c'est pas grave. Oui, c'est pas, pas grave. Il y aura de la rediff, Doudou. Il y aura la rediff euh, sur Twitch. Sur Twitch après, maintenant sur, euh, et sur YouTube dans une semaine, YouTube, quoi. Ouais, ouais hum. à peu près, c'est ça Ouais, c'est ça. Ouais, vous, pas impeccable. impeccable. ouais okay. donc c'est vraiment juste nous qui avons un petit souci de, sur la télé. Ça fait que de sauter. Et tu te rends compte qu'il est 18h55 ouais. J'ai mis jusqu'à 19h le stream. Je suis un dieu vivant. En fait, c'est parfait. Oh, J'espère que ça vous a plu. Nous, ça nous a plu. Voilà. Ouais. Très et content. Euh... Euh, hâte de lire le dernier tome. Et du coup, comme on dit, bah, on espère qu'il va faire la suite. Enfin, bah, une suite, encore un... plus de suites. Ou, ou, ou des, des livres dans des le même scénage, genre. Ouais. Voilà. Même des... si on est très attaché à Annabella maintenant. Ah, mais... Annabella, moi, je pas J'aimerais bien qu'il fasse la suite en mode Annabella, mère de famille. C'est un, un peu comme il fait avec Camille en ce moment, tu vois. Genre, ils, ont, ils ont eu un enfant. Et du ah, coup, mais tu parles de Yarel avec sa femme. Ah oui. Mais, oui ça pourrait être marrant, ouais, j'avoue. C'était bien fou. Je fait, mange des roulets à la saucisse. Oh. Est-ce que oh. tu les fous dans le cul comme on avait là Merci. J'ai bien rigolé, moi aussi. C'est bien fun. En vrai, c'était trop sympa. Donc, si vraiment, ceux qui ont loupé les premiers tomes, les deux premiers, il y a toujours les reliques sur YouTube. Et j'ai une playlist, je crois que j'ai fait une playlist. Spéciale là-dessus Sur le érotique Je vais le faire, du coup. playlist. Je vais faire la playlist, comme ça vous pourrez relire, enfin, revoir, revivre. Revivre, même. Revivre. Non, mais du coup, je suis allé en chercher, du coup, j'ai loupé la fin. Pourquoi tu les as pas mis dans le cul tu te laisserais mettre dans le cul, ça aurait pas posé de problème, mais c'est pas grave. Et... Regarde, regarde dans yes, le noir. Bon, yes. Tu me fais Yaz yes, c'est fou parce que oui. Et... On voit que ses yeux. Parce qu'après on, on a, vachement de. Alors après, je suis pas sûr que là-bas, ça... parce que nous, c'est notre télé qui est réglée sur euh, Baldur's Gate ouais. encore. Ah oui. Sur vrai. le truc jeu vidéo. Écoute-moi bien, Yaze de merde. Moi, je t'ai Mais je sais pas si vous voyez le corps de yes, ou vous voyez juste sa tête du coup, juste ses yeux. Parce qu'en fait, elle est marron. Et nous ce soir, les Saranzo, je dis quoi, on va faire le programme ensemble parce que le programme, je vais le faire là, hors stream. À moins que vous vouliez que je le fasse avec vous, que je décale un peu la fin du stream, ce qui est possible aussi, ça hein, revient même. Mais euh, on va aller au cinéma nous ce soir. Saran, il aime bien aussi ou pas Il aime bien quoi J'aime bien quoi, Popol Elle est trop belle. Ah, vous, hein. la voyez, vous, ah, vous la voyez, vous Il faut que je fasse le prochain film aussi. Ah oui, Justine, euh, qui a toujours son challenge sur Discord. Euh, challenge des, euh, des, euh, des, 100 films. des 100 films, où elle vous invite à regarder 100 films avec elle, avec vous, les sarandouz où vous pouvez regarder des films ensemble en watch party, ou alors en tout cas suivre la liste de Justine pour regarder 100 films qui sont imposés sur l'année, et du coup, ça permet d'en discuter après. On va voir Dali. On va voir Dali, le, film, le dernier film de Quentin Dupieux. Voilà. Dali Dali C'est Dali, pas Dali Ah oui, Dali voilà, non. avec euh, Jonathan Cohen. Euh, avec nous comme ça, je... Ce soir, c'est Little Miss Sunshine, ouais. Regarde, euh, ah oui, tout ça fait qui regarde, regarde en Watch bien. Party. Ouais, très bon bah, film. Ouais. Avec... Non, j'arrive pas à lire. Bah, avec nous comme ça, j'ai plein de points de chaîne. Ok. Ah oui. <laughs> je comprends. Mais t'as pas répondu. Oui, papa, c'est quoi que tu disais euh, Saran il aime bien de quoi Saran, il aime bien aussi ou pas J'aime bien quoi, Dali, le cul tu Se mettre dans le cul. Ah, se mettre des dans le cul. Ah, j'adore ça, oui. Tu es oh, très je ne connais pas. Pourquoi pas venir Bah Balouniak, vas-y. Il hein. regarde en watch party. Ça peut être trop cool. Vous avez un petit chat pour discuter ouais. entre vous et tout. Façon, ça doit être trop bien. J'adore les Tom et C'est un très bon film. Ouais. On n'était pas occupé les dimanches soirs, on... en vrai, on regarderait avec vous. Alors, bien. oui, le problème, les Sarandous, c'est qu'on vous aime beaucoup, mais on a déjà très peu de soirées à et moi ensemble. Ouais. C'est-à-dire deux soirées dans la semaine, ce qui peut paraître beaucoup pour vous ou pas, machin, mais pour nous, c'est pas beaucoup déjà. On a l'impression de ne pas être beaucoup ensemble, puisque je stream beaucoup de soirs et que je voilà. Je stream mon pote. Et donc, du coup, le week-end, on essaie de garder nos deux soirées ensemble et d'aller au cinéma et des trucs un peu. Ah oui, j'aime bien les trucs dans le double, bien sûr, le popole. Moi, j'aime tout, moi. Moi, j'aime tout, 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 tout. Surtout se prendre des grosses popoles. Je vais même prendre des popoles, mais oui. Euh, les Saranazos, du coup, on va partir euh, sur, à faire le programme, je pense. Oui, on profite un peu de nos soirées ça, Julie. On va faire un peu le programme et on va aller faire le programme ensemble, en sachant que la semaine prochaine, en plus, j'ai quelque chose à vous à faire, c'est de, c'est de. Tu me dis quand ça coupe une fois là Ça coupe plus là hein Ça vient de couper. Non, bah ça n'a pas coupé là-bas. Et ça me fait rire parce que l'enseigne aussi, elle clignote à moitié. Ah, l'enseigne a toujours clignoté. Ouais. J'ai un problème de LED en bas. J'ai une, une soudure en fait qui a sauté. Mm. Et ça marche quand même, mais ça fait sauter de temps, en temps Je sais pas pourquoi. On n'en on a même pas, Yazo Ciné, non Oh, j'aimerais bien, mais je ne serais pas assez sage. J'avoue. Non, j'avoue. Je voudrais bah. partout. En Nous, plus, va... euh, moi, je fais des cauchemars euh, sur le fait que Yaz euh, s'enfuit. Genre en mode, euh, elle sort, non. on l'emmène dehors, et puis hop, elle se barre. Et ça, ça m'angoisse de fou. Non, tu t'enfuis pas. Et. Euh... Et bah, allez faire le programme. Ouais. On va aller faire le programme. Et parce que oui, je disais que Dyson a joué une carte euh, qui impose joué. cette semaine, bah, la semaine prochaine, plutôt la semaine qui arrive, là, de faire un stream euh, lecture d'horreur. Donc c'est moi qui vais faire un stream lecteur d'horreur déguisé. C'est ça. On va le avec la commune aussi, non Non, je vais avec la commune, du coup c'est la semaine d'après, ah, je vais demander, parce okay. que sinon on s'en prend pas. Donc euh, vendredi prochain, par... début de soirée, Déguisant, on fera lecture d'horreur. Je sais pas. On fera lecture d'horreur en début de soirée vendredi. Bon, on va faire le programme ensemble, on va voir. Et vendredi, on continue avec du box break, ouverture Pokémon. plap. Plap, plap. plap. Mais... Euh... Coupou, coucou en... bah, que Coucou chaise, Mais en... Mais chaises, t'es parti, genre, hyper longtemps Bah elle est partie tout le long du stream, ouais. Bah, tu disais quoi Tu disais quoi toi tu t'as qu'à mettre un drap sur la tête et comme ça. <laughs> je as, fais un fantôme. un fantôme. Ouais, mais j'ai pas de drap blanc. Mais je trouve, hein. Je me déguise en saucisse, je pense. Après, il a pas dit déguiser en truc d'horreur. Hein. Ouais, mais c'est mieux pour un truc d'horreur. C'est bizarre. Tu si voulais jouer avec mon petit frère. Ah, du coup, es, c'est bon, ton petit frère, il fait plus de ventes, de trucs et tout. C'est devenu un mettre bien. Ah, c'est bien alors. Oh, non, bon. mais ça m'énerve, ça. Ça me déguise en Alita. Très bonne idée, ça. Très bonne idée. Oh. Mon rêve, en fait. Il faut que tu te mettes à genoux. faut que tu perdes un peu de poids. Ouais. Et euh, cheveux, long, euh, il est pipi, courte, quoi. cheveux longs. Je passe pipi au lit. Cheveux il est courte mmh. Il est parti sur le bon coin en plus. Ouais, ah, c'est bien, chaise. T'as tout compris. Ah, tout. Vous m'entendez bien C'est bien Ok, alors attendez, je vais juste allumer mon Photoshop, allumer ma caméra, tout ça, tout ça. Et puis au fur et à mesure, Alita, tu vas pouvoir. Ouais, euh, moi je quand reste te dirai. Pour l'instant, et... c'est encore sur toi. Ouais, ouais. Tu me dis, et moi je me mute. Merci, chaise. À la base, j'avais un, un super haut. Mais on pouvait pas le mettre euh, on pouvait pas mettre mon le micro il ouais, faut que tu trouves un truc à l'état parce que c'est chiant mais on peut pas y faire grand chose quoi. Ouais, quelle heure votre séance 20h30. 20h30. Émilienne Justine elle a peur genre vous allez, Non, t'inquiète pas Justine mais bon, il faut quand même qu'on se prépare parce que non mais le cinéma il est à 5 minutes à pied de chez nous quoi. Donc ça va. Ouais, on habite vraiment près. On habite tout à côté du cinéma. Alita mais et bon, bon, vous êtes beau. Merci. On veut y aller à l'avance pour avoir oh, nos places surtout quoi pour euh, pour pouvoir être placé dans le cinéma, quoi. Pour ne pas être assis à l'autre bout du cinoche, quoi. Il n'y a pas autant d'acteurs, Chaise. Ça ne marche pas. Vous allez voir Merci, Luniaque, de dire que moi, si je suis beau. Parce qu'en fait, c'est toujours Alita est belle, Alita est belle, mais jamais moi. Ça, c'est un truc de fou. Oui, mais là, tu n'es pas à l'écran. Mais je l'étais avant, en fait. Je l'étais avant. Donc, ça commence à bien faire. Merde. En fait, Chaise, il y avait une faute dans ton même. Mais j'ai vu que quand j'ai posté, parce que je n'avais pas vu. La phrase en bas. Ah ouais Mais c'est pas ah, grave. Justine, trop bien ce qu'elle a fait. Un cake marbré. Oh, trop bien. C'est le truc que euh, j'aime bien, c'est le gâteau euh, genre de base. Ouais, le gâteau yaourt. Que oh, tout le façon... monde sait faire, tu sais. Mais qui est trop bien, qui est trop beau. Mais j'ai dit que tu étais beau. Aussi. Oui, toi aussi, Lugnac. Mais bah, je sais pas, ça râne sur mon ordi, c'est flouté. ton floutage. Quoi Qu'est-ce qu'il a Je sais pas ce qu'elle raconte, <laughs> elle Bon, allez. C'est flouté, ton floutage. Ton oui. visage. Mon visage est flouté. Hein ah bon? Ah, bah, je pas. Ah oui, mais parce qu'il est dans le fond. Là. Mais j'étais pas dans le fond de tout à l'heure. Eh bah, vu, c'est quoi ça? Polo, bon Les Sarandous, je vais vous retrouver euh... sur l'autre euh, truc. Je vais vous demander deux secondes avant. Je suis prête à mute. Merci, Julie. Bisous, bisous. Bisous, Julie. J'ai un pack Attends. de texture. Tu pourras essayer de commencer à débrancher les trucs, Alita et tout Oui, oui. Merci beaucoup. Ou préparez ton gros cul Oui. Tu me dis quand tu te mutes et comme oui. ça je change. Zou. Tu te mutes Je me mute. Est-ce que vous m'entendez dans l'autre micro Oui, c'est bon. Parfait. Oh, la musique est un peu forte en fait. Je vais éteindre le micro, c'est bon. Alors les Saranzous, Bam Incroyable, je suis à mon bureau. Tout le monde me dit Waouh, c'est quoi C'est ta grand-mère ou c'est ton grand-père C'est ma grand-mère en fait. Euh, yes Euh, le programme, les boubous. Le programme. Le voici, le voilà. Je vais peut-être mettre ma petite caméra quand même. Oh, t'es beau, Saran. Oh, merci, bébou. Ma cam. Bim. Ma cam, on va la mettre en petit. Attendez, bougez pas. Cam. Petit. Yes, cam petit, parfait. Et je mets. Pas de chat, voilà. C'est la télé, popo. Eh, je me suis téléporté. Alors, du coup, les saransosous. Je vais mettre le stream ici pour vous mieux voir. Il n'y a pas de jeu dimanche. Si, il faut juste qu'on choisisse le jeu découverte, le stream découverte. Alors. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire On va remettre 16h d'ailleurs dimanche. Hop, voilà, parfait. Et on est bien du 19 au 25 la semaine pro ou pas Du 19 au 25, c'est bon. Le jeu des chats, please. C'est quoi le jeu des chats Mais normalement, les streams découvertes, bébou. Vous quelque chose Voilà. Euh, normalement, le jeu des chats, euh, béboulove c'est euh, c'est pas un jeu, c'est un jeu gratuit ou pas Parce que normalement, je découvre que les jeux euh, de Oh ah, la vache voilà, je découvre que des jeux que j'ai dans ma bibliothèque Steam que je n'ai jamais fait, parce que j'ai tellement de jeux dans ma bibliothèque Steam que je n'ai jamais euh, je n'ai jamais touché que c'est un peu couillon quoi. Déjà trouvé dans les grandes images. Bon, dis-moi le nom, je vais regarder euh, si, si, je, si ça me plaît. On va lancer Steam. Dis-moi c'est quoi Comment elle s'appelle En fait, à la base, moi je vais dans ma collection de jeux. Une carte à l'état, tu peux me demander. On découvre la vie de Yaz et on met une cam sur lui. Et on le suit. Alors Yaz est une femelle, mais pas de soucis. Hein. On découvre la vie de Yaz et on met une cam sur elle et on la suit toute la journée. Ça peut être pas mal. Un arcade full of cats. Ok. Un arcade. Full cool of cats. Bon, allez, vas-y, on fait ça. Allez. Allez, on fait ça. C'est joli, ça me plaît. Allez, hop. On fait ça, il y a des chats. C'est bien. On fait ça. Allez, on fait ça. Euh... Ah, c'est sympa en plus, c'est trucs d'arcade et toi, allez, vas-y, on fait ça. Donc on trouve une belle image. Castle full of cat. Ah, parce qu'il y a plusieurs trucs full of cat. Là, c'est arcade, mais il euh, n'y a pas que ça, quoi. Ok. J'aime bien celle-là. Voir l'image. Elle est grande Ah ouais, les grandes. Allez vas-y on, on va tenter ça. Écoutez c'est un jeu gratuit les jeux gratuits en plus si vous en avez de temps en temps comme ça pourquoi pas. Euh, à la base je fais des jeux que j'ai déjà envie d'être Steam pour essayer de, bah, de rentabiliser tous les jeux que j'ai mais là ok moi moi je suis chaud moi je suis chaud je suis chaud ça me va. Je veux bien découvrir des trucs euh, que vous me conseillez. C'est là le dimanche ou pas Oui c'est là. Donc dimanche prochain 16h boom un arcade full of saucisses et pas le stream lecture érotique non 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 ice cream so good non 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 Ça va bien avec les couleurs en plus de... Avec le petit chat ici là, regardez. C'est un arcade full of cats, Justin. Filtre, bruit, ajout de bruit. 10%. Bim, du bruit. Ouais. Un arcade full of cats. Allez, on, on tente ça. Euh, samedi sera Baldur's Gate. Alors, euh, Baldur's Gate, il faut que je trouve une image. Ça, je l'ai toujours pas fait. Euh, mais Baldur's Gate je pensais au personnage. Qu'est-ce qu'on qu a fait avec Bratou Baldur's Gate On, on s'est battu contre eux. Ah, mais il y avait l'autre là, comment il s'appelait euh, Baldur's Get, euh, char. Euh, comment il s'appelait Le mec de char là. Oh, mon amour. Brancher quoi? Tu veux brancher les le prises de courant? la azimut, il faut surtout pas le brancher de la caméra. Il va tirer dessus. Non, ok. Il a des il y a une rallonge, l'ai mis en fait, au... Tu vas voir là. Il va être là. Comment il s'appelle le char euh... infirmière, nurse, nurse peut-être? je mets nurse, vol mort. du <laughs> pourquoi tu pourras faire tous les succès car ils sont ok à voir. Et pour... en plus, c'est un jeu avec des succès incroyables. Ah bah voilà, les nurses, parfait, Baldur's Gate Nurse. Parfait, on va mettre ça. Elles sont trop belles. Les... C'est d'ailleurs un des personnages que je trouve le plus esthétique de Baldur's Gate pour l'instant. Vraiment, je, je les trouve trop classe. Euh... Je vous dis, il y a une dé un délire un peu du... de Silent Hill, j'aime trop quoi. Ça me, ça me fait... Et t'en fait peur toi, chaise Moi, oh, j'ai trouvé trop classe. J'ai trouvé euh, incroyable. Trop trop belle. Cette image là est belle. Je trouve vraiment classe. Classe de zinzin, même un peu. La musique de cul derrière là. Vous avez vu, j'ai déjà beaucoup bossé sur le programme parce que j'ai déjà mis plein de trucs qui étaient. qui devaient être. Euh... un caractère. Pin Test pine, Je connais pas. Pinterst Je connais pas. Non, moi ça me fait penser à Silent Hill. Hein. Ça me fait penser à Silent Hill de zinzin. Moi j'ai du mal, mon photoshop il lag tellement quand je suis en stream. d'image. je connais pas mais bon. Alors, là on est bon. Seventy today j'ai mis 20h c'est bon, tunique mardi j'ai déjà mis la petite image. Euh, 19h30 palward j'ai mis la petite image, tout est bon pour les autres jours. J'ai déjà mis aussi ici le petit truc de IA. Euh, tout est bon et en fait il y a ici où ça va être lecture de trucs d'horreur. Va falloir que je trouve un, un truc. On va mettre un livre, on va mettre un machin. <laughs> on va mettre un livre, un machin. Euh, et on va mettre une image d'horreur, mais je sais pas quoi. Euh, on va mettre un book. Un book. En. Phylotype .png. Une tête de Squeezie. Pourquoi Squeezie Ah oui, parce qu'il fait des. Il fait pas des trucs vraiment d'horreur. Que... Ah, c'est des threads là, monsieur. Ouais, Feld Up ou est ce que disait euh, Chase. Euh... On a besoin de la rallonge si on fait une raclette. Au cas où. Hein. Mais il me faut un livre là. pas un livre euh, joli là pour un logo Ça c'est pas si mal. Peut-être, peut-être, on sait pas trop. Salita qui a dit peut-être une raclette, parce que je disais qu'est-ce qu'on fait en rentrant, parce qu'on rentre du cinéma à, à quelle heure 20h30, film de 1h10, euh, 1h machin, on va rentrer à 21h30, 22h, donc on mange à 22h, donc euh, je sais pas ce qu'on peut faire quoi. Pipi. Pipi au pire, hein. on fait pipi, moi j'aime bien. Vas-y on va prendre ça. On va prendre ça, ça, et on va se mettre horreur. On va marquer aurore et on va se prendre. Aurore. Un... Couleur, transparente ça devrait nous mettre le mot aurore. Tout est moche, gros. Aurore. Horreur, malheur. Oui, oui, oui. Oh, le Rocky Horror, c'est quoi ta vidéo là On est où là Ouf t'es mort là C'est quoi, ta... quoi ta vidéo Ah c'est bien ça Ah non, non pourquoi y a plein de trucs là un Hospital Horror, nique ta mère. Ah bah attends, il y en a plein ici. Shutterstock, nique ta mère, Shutterstock. Dreamstyle, ta mère, Dreamstyle. J'ai pas envie de faire une typo, me faire chier la bite là. Allez. Je prends le truc de Horror Picture Show. Hein. C'est bien ça. That's the way. La tête de gigoso La tête de Gigoso, Et non pas Gigo d'agneau. La 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 Aurore Aurore, malheur Yes oh Merde, non mais je voulais pas tout de suite Oh non mais non mais, <laughs> attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire Comment réutiliser une image d'un film Bah ouais, mais bah en vrai. En plus, c'est Rocky Horror, j'adore. Hein. J'adore le film, donc... Euh... On va mettre comme ça. Ta mère. Lueur externe, bam. Horror. Le film est fou. Copier le style de calque, coller le style de calque, bam tout ça dans un dossier bam aurore ah merde attends je suis con faut que je me mette là mais ta gueule faut que je me mette là j'ai dit Swish. Swish. là bas je voulais faire un stream batterie mais comme euh, monsieur euh, daddy Daizun a dit euh, non mais moi j'ai fait quatre oh merde putain non mais moi j'ai fait mais ta mère euh... mais moi j'ai fait caca Merde, c'est tout petit mon truc. C'est pas grave. Ça la ça rame pas du tout hein, vous avez vu Pff, Pas du tout. Past hein. away. Mais non, mais non. c'est bon, c'est stream musique que je vais enlever. Voilà, Aurore. Ah Aurore. C'est l'horreur ou quoi? J'ai pas raison, la team. Je centrer un peu près parce qu'il n'est pas centré du tout. Quoi. Voilà. Aurore. Je trouve une image d'horreur. Je vais marquer Aurore comme ça. avoir un peu un truc qui fait peur. Oh, ça, ça fait peur, pas du tout. Ça, ça fait peur. Ouh, il me faut des grandes images. Aurore. Aurore. Ouh, toutes les tailles. Supérieure, oh, aurore C'est bien ça. Aurore Aurore pardon. Ah aurore Vous vous en foutez sûrement mais sachez qu'hier soir, j'ai eu une putain de migraine. OK, puis à 4h, je me réveillant, en me réveillant, j'étais dans le mal à cause de la migraine et j'ai pris mes médicaments. J'ai réussi à dodo avec beaucoup de mal. OK. Bah, il faut que tu, tu vois un médecin pour tes aurores, pour tes migraines, mais Faut que tu restes comme ça oh, C'est chiant ça. Pas mal comme ça en vrai. faire enfin, un peu... Aurore Pardon, c'est moi. <laughs> trop mignon, Un trop mignon. J'ai commencé à prendre Doctolib, mais je demande d'avoir une, une webcam, donc au secours. A désisté, a désisté, ok. Mais Doctolib c'est un site pour prendre des rendez-vous avec des médecins. T'es pas obligé d'avoir du tout des médecins euh, à distance, en distanciel. Hein. C'est toi qui vois. Mais après si c'est en distanciel, peut-être toi quand même pas sortir, ça peut être pas mal quoi. Non T'as pas de webcam mais vous T'as pas du tout Mais ça est trop loin. Ah ouais mais t'es vachement campagne toi. Eh, hey, t'es campagne, en fait, toi. Hey, c'est dinguerie de faire ça. Ah, elle a pas fait ça. J'ai besoin de présentiel. Pour... J'ai besoin de présentiel. Eh, ah, ben, justement. T'as besoin de présentiel, Bebou. Euh, va voir un présentiel. Mais c'est sûr qu'il y en a autour de chez toi. Surtout que c'est pas la campagne. Non, il y en a partout. C'est sûr qu'il y en a partout, Bebou. 19h30, hein. 21h30. J'ai mis une heure d'histoires de... qui font peur. En vrai, ça va le faire, je pense. Middleville. Bah, Middleville, t'as des médecins. Hein. Là, on fait le stream découverte du petit chat. Avec le petit chat qui est à côté, c'est parfait. La balle gate, 16h. Du box break vendredi, évidemment. Jeudi, Seven day to die. Unique, pas le world. On est pas mal, non Pourquoi il y a un X-Talk là Putain, j'avais pas vu ça. Remove. Salut, Prince Chou, comment tu vas C'est fur en fait, euh, chaise. Après, je suis pas fan des médicaments. Ah bah, faire passer des, des migraines sans médicaments, chaise. Mais comment ça, t'es pas fan des médicaments Une variante de Dafalgan sans codéine avec de la caféine. Ok. Fallait, toi, bah, moi ça va, mais boum. Hein. Regardez l'IA de Photoshop, comment elle est trop forte. Un lia de Photoshop, merci d'exister. Putain, l'IA de Photoshop, putain de merde. Bon, bah, voilà, ça, c'est un beau programme quand même. On va l'enregistrer. C'est pas mal en vrai, c'est bon, on est bon, les dates sont bonnes. Tout est bon dans le pâté. Dire... J'ai genre il avait dit que c'était bon euh, jeudi là. C'est hein. qu'une semaine. Ouais, ouais. Je suis pas fan des médicaments non plus. Ah bon Mais pourquoi vous êtes pas fan celles-là, je les prends quand ça vraiment, vraiment pas, c'est cool. Je sais pas, j'ai peur d'en devenir dépendant. En mode, j'ai un truc, je prends tout facilement sans chercher le problème. Ah, si t'es si, si sujette facilement à l'addiction, peut-être. J'en sais rien, moi je suis pas sujet aux addictions du tout, donc je me rends pas compte. Mais euh, les médicaments, c'est quand même vachement bien, quoi. Faut pas être anti médoc quoi. C'est trop trop bien, les médicaments. Les vaccins, les médocs, c est, c est, ça, ça sauve la vie, quoi. Faut être anti-vax dans la vie, putain. C'est cette histoire-là. dire évidemment qu'on prend des médicaments quand ça va pas. On va pas prendre des médicaments quand ça va. Mais euh, les gens qui ont mal à la tête, aka Alita, <laughs> et tu no, dis prends un no, non, non ça va j'ai pas, no, bah gros si le but c'est d'enlever les no, de vivre on va pas vivre le plaisir douleurs pour le plaisir quand quand Moi les médicaments m'ont sauvé la vie quand j'avais des douleurs de dos avant de me faire opérer quand même, hein. et j'en prenais tous les mais des quantités Mais mais heureusement qu'ils existaient. bon no, no, la chiasse bon voilà mais bon. no, 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 tu prends un no, tous les deux mal. parce que no, 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 de crâne, let's go en fait. Si ça ça sauve la vie faut mieux ça que la douleur, ça fait des... la douleur, le problème, c'est que ça fait des symptômes à force. Et oui, et ça, c'est chiant. J'ai jamais aimé prendre des médicaments parce que c'est pas forcément ouf pour le corps. Bah, c'est pas plus pire que d'avoir de... Que de... mal, en fait. Je crois que quand c'est nécessaire. Je me à croire avant mes opérations, j'ai mal tourné à cause de ça. Ouais, moi, je vu que les médicaments m'ont sauvé la vie. Hein. Mais. Euh... Vous faites ce que vous voulez, les gens. Fichier exporté. plan de travail vers fichier. Programme. Oui. Les médicaments, ça vous empêche quand même d'avoir des dingueries, quoi. Genre des symptômes à cause de la douleur, quoi. Par exemple les hernies. Euh, le problème, c'est la douleur. Et donc euh, traiter la douleur, c'est la solution. D'un côté, je pourrais me dire ah bah j'ai besoin de voir un médecin pour mon oeil, comme j'ai des Lypran veux dire pas besoin de voir un médecin pour mon oeil quand j'ai des luprènes bah ça a rien à voir c'est pas des douleurs le problème de ton oeil c'est qu'il y a un truc que tu te dis il y a un souci tu vois bah ouais les médicaments c'est trop bien c'est comme les gens qui sont anti aussi médicaments qui agissent vraiment sur la, le, le mental par exemple euh, les antidépresseurs et les, les, ce genre de choses heureusement que ça existe quoi heureusement que ça existe putain de merde et oui, il y a des gens, ils sont malheureusement obligés de vivre avec parce qu'ils dépriment trop facilement ou machin, et truc, Mais évidemment, heureusement que ça existe. Heureusement, putain Heureusement, ta mère Je débranche tout au fur et à mesure que mon, mon programme se. Ah non, mon casque donc j'enroule mon, mon câble de, de. Mon HDMI de 10 mètres, là. Voilà. Euh, du coup les Sarranos, bah, on va être bon, on va être bon, on va se laisser là. Euh, et là j'ai eu un traitement de 6 mois à prendre parce que j'ai des calculs biliaires, oh, putain, ouais. qui attaquent foie, pancréas, etc. Donc je, donc je, je veux pas mourir, mais je, je suis pas le choix. Bah oui, évidemment. Mais faut pas non plus. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas non plus euh, toujours minimiser tout ce qu'on a et nos douleurs et dire ah ça va, c'est supportable, je vais vivre avec, alors qu'une douleur sur le long terme et une douleur répétée, ça te fatigue mentalement de zinzin et euh, que c'est bien de traiter les douleurs en fait. Voilà, c'est tout. Faut pas minimiser la douleur juste quand c'est des douleurs. Et la céphalée, les maux de crâne, euh, même léger, en constant, ça te tape sur le système en fait. Et ça finit par te créer des, euh, des douleurs euh, psychosomatiques en plus. Donc ça c'est un cercle sans fin. Donc faut traiter la douleur. Et des fois ça marche. Traiter, euh, de traiter la douleur euh, euh, pour ne plus avoir mal du tout pendant un mois, des fois ça permet de ne plus avoir mal du tout pendant un an. C'est ce que je dis là. C'est ce que je dis, c'est important. Il faut, il faut pas avoir mal, ça ne sert à rien, ça n'apporte rien. Il faut mieux euh, déclencher une petite addiction, addiction à la paracétamol qui se, qui se soigne assez facilement que d'avoir mal en constant, quoi. C'est tout ce que je dis. Moi j'en ai marre de, de voir les gens se plaindre de trucs et de, pas, de rien faire pour traiter le problème. Ça m'agace, je te jure, ça m'agace. Ah, ça m'agace, hein. L'ITA avec ces mots-là. Hein, salope. Pardon. Excusez-moi. Salope. Salope <laughs> Elle monte son cul, non, c'est faux. Bon, oh, les Saranzos, en tout cas, euh... on va se laisser là. On se retrouve demain de façon sur Palworld. Sans souffrance, il n'y a pas de joie. n'importe quoi. Et toi, Papa Dyson, il faut pérer lundi, alors calme-toi. Non, c'est chaise, m'agace pas. Hein. Ch chaise, m'agace pas, puisque chaise et. Euh... chaise, je l'ai pas au quotidien tous les jours. Un peu, si, en fait, je l'ai au quotidien tous les jours. <laughs> euh... Pourquoi la... t'es pas là lundi, chaise, c'est ça En tout cas, à demain, sinon, euh, les autres, à demain. Euh... J'attends avec impatience. Bah ouais, ça va être trop bien de toute façon. Je suis content. En plus, on sera avec toi là, euh, pendant ton opération. Tu auras le, le PC à l'hôpital. Bah, avec plaisir, prenne... avec plaisir prenne chou. Euh, donc, on, on t'accompagnera. Je suis là juste pour Tunique, moi. Ah oui, oui. Oui, tout à l'heure, pour le film, pour ceux qui viennent. Exactement. Justine propose une watch party à 20h30 de. Euh... Je sais plus le film. Je sais plus c'était quoi Redites moi. Little Shine, c'est ça, merci. Tain, la, vache. la mémoire, toujours un plaisir. Euh, c'est fini l'export le, là du, du PC, du... Ouais, ça... Parfait. Donc euh, on se retrouve demain à 19h30. Et sinon vous pouvez retrouver Justine et la clique de Saranzu à 20h30 pour regarder un film ensemble Voilà. Je vais aller manger mon poulet au miel. Oh putain un poulet au miel <laughs> pas mal. À demain tout le monde, à demain 19h30. Sinon, prenez soin de vous. Et puis, euh, euh, sinon sur Discord évidemment, pour Justine. Et puis euh, dès demain sur Discord pour manger un cheval. À demain tout le monde, prenez soin de vous. Bonne soirée, faites pas trop les fous. Et si vous avez mal au crâne, prenez des paracétamol C'est très bien. Merde, juste à vous faire un peu avoir euh, la chiasse. C'est pas grave. Mais tout le monde. Vous avez qu'à demander des protecteurs gastriques, bande de cons. Protecteur gastrique. <laughs> <laughs> Protecteur gastrique.